Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette toute première émission de la rentrée. J'espère que vous avez passé une belle rentrée avec vos petits loulous et vos grands loulous. Et pour cette toute première émission de la rentrée, je suis heureuse d'accueillir Christelle Leclerc. Coucou Christelle. Coucou Aline et bonjour à tout le monde. Alors ma Christelle, ça faisait un an que tu n'étais peut-être pas revenue sur une émission de l'essentiel. Sur pas grand chose, parce que j'ai décidé de prendre une année sabbatique en fait. Pendant une année, j'ai pris seulement quelques rendez-vous par-ci par-là quand je sentais que l'urgence était vraiment là, que c'était vraiment très important. Là, j'ai accepté, mais alors pour le reste, j'ai tout mis sur pause. J'ai enlevé mon site internet, alors pas de panique, je vais le remettre en ligne. Mais voilà, donc c'est aujourd'hui marque le début de, non, la fin. On va y arriver. La fin de mon année sabbatique, je reprends mes activités. Voilà. Alors, bon, ça va être compliqué de reprendre l'émission parce que derrière, on faisait les pitres à fond. On était comme de gosses. Et là, on est censé être sérieuse. Et là, on se recentre en fait. Je ne sais pas si les gens attendent de nous qu'on soit vraiment sérieuse, à part dans les canalisations messages des guides, où là, oui, quand même, mais pour le reste, je ne pense pas. Donc, du coup, en tout cas, je suis très heureuse de te retrouver et je suis très, très heureuse que tu fasses cette toute première émission de la rentrée. Enfin, on se retrouve. Oui, merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'il te faut pour faire tes canalisations? Est-ce qu'il y a des choses que tu prends pas? Est-ce qu'il te faut des dates de naissance ou pas? Non. Alors, les dates de naissance, c'était surtout quand je faisais les lectures d'âme, où là, c'est vraiment spécifique à la date de naissance. Mais pour tout ce qui est canalisation et réception des messages des guides, rien du tout, parce qu'en fait, je me connecte à la personne. Mais donc, ça veut dire aussi, j'ai déjà eu le coup dans une autre émission, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais là, c'était avec la date de naissance pour les lectures d'âme. Et j'avais demandé à la personne, j'ai dit, mais est-ce que vous êtes sûr de votre date de naissance? Et puis bon, ben, j'ai traduit la date de naissance. Et par la suite, avec les guides, j'ai appris qu'en fait, la personne n'avait pas donné sa date de naissance à elle. Elle avait donné la date de quelqu'un d'autre. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je ressentais, mais vous êtes sûr que c'est votre date? Parce qu'en fait, je me connecte à l'énergie de la personne qui pose la question. Ouais. Donc, pas besoin du prénom. Alors, si un prénom, c'est bien, parce que quand je m'adresse à la personne, ben, c'est toujours mieux de l'appeler par son prénom. Mais si c'est un pseudo, c'est bon aussi. Et alors, ceux qui me connaissent en tout cas, je reçois ou je ne reçois pas. Je ne suis pas maître de ce que je vais recevoir. Donc, je ne garantis pas de répondre à toutes les questions. Mais quand il y a une question, ben voilà, je demande au guide et puis je transmets ce que je reçois. Si je reçois rien, ben je dis, désolé, je n'ai pas d'infos. Ok. Oui, c'est comme moi. En fait, tu as le même genre de médiumnité que moi. J'ai pas besoin de support ni de date de naissance. C'est vrai que les dates de naissance peuvent donner une info supplémentaire, mais j'en ai rarement besoin en fait. Ouais. Et puis j'ai remarqué aussi que mes canalisations étaient beaucoup plus cash qu'avant. Oui. Donc pour ceux qui me connaissent, et surtout plus en privé ou en consultation, moi j'aime arrondir les angles, choisir mes mots, annoncer quelque chose en douceur, etc. Enfin, je fais attention. J'ai d'une part le message que je reçois. Et d'autre part, le côté où je fais attention à la manière dont la personne va recevoir le message. Donc, parfois, enfin souvent, je recevais des messages très cash et voilà, c'est comme ça. Et j'adoucissais un petit peu. Maintenant, plus. Ça sort encore plus vite qu'avant et c'est du cash. Donc, s'il est nécessaire de le préciser, sachez qu'il n'y a jamais rien de péjoratif ou de personnel contre vous, contre la personne. C'est juste que je filtre moins ce que je reçois et que je les délivre tel que je le reçois, en fait. Moi aussi, c'est vrai que de temps en temps, c'est hyper cash, quoi. Donc, du coup, c'est OK. Mmh. Est-ce que ce soir, on a la présence de ton guide Esteban? Oui. Je l'adore. Oui. Il est espiègle. Et pour information, et pour ceux et celles qui ne connaissent pas Christelle, elle a écrit un superbe livre. C'est Esteban. Vous pouvez le trouver sur son site qu'elle va réactiver très, très vite. Oui, ou m'envoyer un mail, c'est même encore plus simple. Donc, c'est Christelle Leclerc, comme c'est écrit, il faut faire attention à l'orthographe parce que s'il y a une faute d'orthographe, ben, je ne reçois pas le mail. Donc, Christelle Leclerc, tout attaché, 88@gmail.com. J'essaierai de vous faire un copier-coller, de le mettre sur le chat tout à l'heure. Donc, du coup, voilà. Eh bien, écoute, si tu es OK, si tu es prête. Je suis prête. Parce que là, je vois qu'elles sont là depuis… Alors, j'ai Linda depuis 18h52, s'il te plaît. Ah oui, quand même. Oui, OK. Bien en avance.
C'est ça. Donc, c'est la toute première et après, ça va à 20h03. Ça va. Coralie a été beaucoup plus soft. Donc, Linda, je ne sais pas si tu pourras répondre à Linda. Moi, en tout cas, je pourrais peut-être l'orienter parce que je suis une Laochi girl. Et du coup, Linda demande, bonsoir Christelle et Aline, comment je peux m'améliorer en soins Laochi? Merci beaucoup. Alors effectivement, pour cette question-là, je vais te laisser répondre, Aline, parce que c'est toi la pro du Lao Chi, chose que moi je n'ai pas suivie. Et après, je verrai ce que les guides me disent Voilà. pour Linda. Après, tu peux surtout t'orienter pour elle, puisqu'apparemment elle fait des soins énergétiques et qu'elle se met dans l'énergétique, voir ce qu'elle peut améliorer en énergétique, en fait, Oui. pour enlever le mot Lao Chi, en fait. Ok, d'accord. En fait, Linda, pour t'améliorer, il n'y a pas de secret. C'est pratiquer. Pratiquer sur toi, faire des autotraitements. Alors, un autotraitement n'empêche pas que si tu ne fais pas d'autotraitement, ce n'est pas grave. Tu feras toujours de jolis soins. Autotraitement veut dire pour soi. Mais par contre, ça va te permettre de te nettoyer, nettoyer ton canal, de te réaligner, de réaligner tes chakras et donc d'être mieux aligné avec ce que tu es et avec ton âme. Par contre, pratiquer sur les autres, parce que plus tu vas pratiquer sur d'autres personnes et oser, parce que je sens quand même quelqu'un sur la réserve, et si tu oses pratiquer sur d'autres personnes, leur expérience, leur énergie, chaque soin va être différent et tu vas vraiment apprendre à connaître l'énergie Laochi, parce que chaque énergie est différente, c'est comme nous. Quand tu fermes les yeux, des fois j'ai des personnes dans le dos, je sais que c'est mon fils, je sais que c'est mon ami, ils ont leur propre énergie. Quand ils arrivent dans une pièce, quand quelqu'un rentre, a sa propre énergie. Un système énergétique, c'est exactement la même chose. Ils ont leur propre énergie. Et plus tu fais de soins à des personnes différentes, et plus tu vas prendre confiance en toi. Et les retours des personnes, qu'ils soient positifs ou négatifs, vont te permettre de t'améliorer tous les jours un petit peu. Il n'y a pas de secret. Pour améliorer ta pratique Laochi, c'est de vraiment pratiquer. Mais sur d'autres personnes, je trouve que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup formée. Tant que je faisais que mes autotraitements, c'était pas, pardon pour l'expression, mais la fête du slip, je veux dire. Dès que j'ai commencé à oser pratiquer sur d'autres, oh, ça m'a changé la vie. Moi, le Laochi, ça m'a sauvée. Et je le dis tout le temps, je suis une Laochi girl et j'adore le Laochi. Donc, est-ce que si tu as une question plus, si tu as d'autres questions, je t'invite à m'envoyer un messenger, Linda, et on pourra discuter par messenger et ce sera beaucoup plus facile. Ce que j'ai aussi, pendant que tu lui répondais, Aline, j'avais aussi par les guides l'énergie un peu timide et réservée. Et que, en fait, quand Linda, tu te demandes qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes soins, toi, tu es dans une optique pour les autres. Je veux améliorer le soin que j'apporte pour être au mieux pour les autres. Donc, ton intention est vraiment tournée vers les autres et c'est tout à ton honneur. Mais ce que je ressens, moi, dans l'énergétique et ce que je reçois comme message pour toi, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi qui cherche la perfection avant de pouvoir vraiment donner, en tout cas d'être à l'aise pour donner aux autres. Sauf que ta perfection à toi ne sera jamais, entre guillemets, suffisante parce que tu es tellement bienveillante et tu veux tellement être sûre de bien faire comme il faut, d'apporter quelque chose de positif, que ça apporte un changement aux personnes à qui tu vas faire les soins. Que quand on est dans cette démarche-là, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Et donc là, on est beaucoup plus sur tes propres croyances que sur vraiment une technique spécifique pour améliorer tes soins énergétiques. Donc, pour répondre à ta question, comment est-ce que je peux m'améliorer en soins Lao Tzu, c'est une question de confiance en toi et de te dire, je n'attends pas de me juger moi parfaite dans mes soins pour pouvoir en donner. Parce que c'est l'expérience qui va faire en sorte que tu te sentiras de plus en plus à l'aise, de plus en plus légitime, et que tu vas voir que tout se développe. Je crois que tu l'as dit, Aline, parce que ça fait un peu écho dans mon esprit, la pratique. Je crois que tu as parlé de la pratique. Et donc c'est plus sur tes croyances et de ne pas attendre la perfection et de te faire confiance aussi. Parce qu'à partir du moment où ce que tu donnes est tellement basé sur de la bienveillance et une bonne intention, alors, il ne suffit pas que de la bonne intention, hein. Il y a un adage qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, effectivement, la bonne intention ne suffit pas. Mais déjà, toi, dans ton cas, dans ce que je ressens de ton énergie,
tu peux pas faire de tort avec la bienveillance que tu as, avec la perfection que tu as envie de donner à tes soins. C'est surtout de te lancer. Tu vois, j'ai l'image de toi sur un plongeoir à la piscine très très haut. Et en fait, tu es là en disant oui, mais j'ose pas trop. Et donc, j'ai envie de t'inviter à ben, vas-y, lance-toi, ose. Et c'est en faisant, c'est le cercle, tu vois, le cercle vertueux. C'est plus tu vas en faire, plus tu vas avoir le retour qui va te mettre en confiance, plus tu seras en confiance, plus tu vas oser, et ainsi de suite. On Donc, a voilà. les mêmes messages, c'est la Oui, classe. oui. Ok. Merci Christelle. Avec Alors, plaisir. coucou Coralie, coucou Christelle. Coralie. Ah, je sais, est-ce que tu prends les questions sur les maladies? Alors, moi personnellement, je ne ferme pas, je ne filtre pas, je prends toutes les questions. Maintenant, ça dépendra de ce que je reçois. Comme je le disais, si je reçois rien, je dis que je reçois rien. Maintenant, c'est peut-être l'occasion, pardon, de dire que, en fait, les guides vont nous dire ce qu'on est capable d'entendre par rapport au point où on en est dans notre vie. Donc, si par exemple, mon guide ne va pas répondre à la question d'une personne par rapport à une maladie, ça ne veut pas dire qu'il ne répondra à aucune question sur la maladie. Ça veut dire que pour cette personne-là, dans l'état actuel des choses, dans l'état de ses pensées, de qui elle est, de comment elle vit, comment elle vit, on répondra oui ou non. Donc, a priori, on prend la question et puis on voit si je reçois ou pas. C'est Coralie donc qui dit bonjour. J'aimerais savoir pourquoi j'ai cette maladie et si je vais m'en sortir. Merci. Message WhatsApp, Aline. Alors, qu'est-ce qui vient? J'aimerais savoir pourquoi j'ai cette maladie et si je vais m'en sortir. Alors, déjà, la partie, les guides me parlent surtout de la partie, pardon, si je vais m'en sortir. Ça, c'est quelque chose qui fait référence à toi. Et s'il y a trop d'attentes à l'extérieur, c'est comme si tu attendais des guides de dire, OK, dites-moi. Quelle va être l'issue, quelle va être comment ça va évoluer. Et du coup, ça enlève ta responsabilité, ta partie à toi, ta souveraineté, comme on dit. Tu sais, on a souvent parlé du livre de Jacques Martel. Je ne sais pas si tu le connais, mais tu peux déjà aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette maladie. Quelles sont les émotions qui ont été bloquées et qui ont fait que bah, la maladie s'est déclarée dans le corps. Parce que tout ça n'arrive pas pour rien et la maladie nous parle. Je pense que bon, on est tous d'accord pour dire ça. Donc déjà, tu peux aller voir cette partie. Est-ce que c'est voilà émotionnel, un schéma de pensée, une croyance, d'aller chercher de ce côté-là. Parce que si la maladie te parle et que toi tu dis oui, mais quand est-ce que je vais en sortir? Quand est-ce que ça va finir? Tu zappes l'étape la plus importante, qui est celle de dire ok, qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que mon corps me met sous les yeux? Qu'est-ce qu'il me fait vivre? Le pourquoi? Qu'est-ce que je dois aller chercher et aller approfondir tout ça? Alors, tu as des petits bobos passagers ou voilà, c'est léger. Et puis, quand tu as une maladie un peu plus lourde, il faut vraiment aller creuser un peu plus. Donc, sur cette partie, si je vais m'en sortir, voilà la réponse des guides. Ils vont pas te dire oui, non, ceci, cela, mais plutôt regarde en toi ce qui se joue au travers de cette maladie. Et là, tu trouveras déjà les réponses pour pouvoir en sortir, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, et du coup, ben, ça répond aussi à la question du pourquoi j'ai cette maladie, c'est d'aller te renseigner sur... Bon, moi, je dis Jacques Martel parce que c'est un livre auquel je fais souvent référence et que j'aime bien, mais tu as également Lise Bourbeau qui a fait un livre, il y a un autre livre comme ça aussi, La clé vers l'autolibération. Voilà, tu as différents livres qui expliquent le pourquoi de cette maladie. Mais dans tous les cas, ça fait référence à toi-même et vois ce qui se joue en toi, quelles émotions ont été bloquées pour que tu en arrives là. Et moi, les guides me montrent vraiment, tu vois, la ligne du temps avec passé, présent, futur, qui est de, pas de là-haut, mais de nous. Nous le voyons comme ça et qui focalise sur le présent. Or, voilà, la question est pourquoi j'ai cette maladie fait référence au passé. Qu'est-ce qui s'est joué dans le passé pour qu'aujourd'hui j'ai cette maladie? Et la deuxième partie de ta question fait référence au futur. Est-ce que je vais m'en sortir? Et les guides disent non. Ces deux parties, ces deux questions-là, passé et futur, tu ramènes ça au présent en disant qu'est-ce que je vis, quelles sont mes émotions, de voir tes croyances, de voir ce que ton corps te dit. Si par exemple tu ne peux plus bouger,
ça va te donner déjà des indications sur le mouvement de la vie, par exemple, qui est en toi. Est-ce que tu as envie de bouger? Est-ce que tu as envie de vivre? Est-ce que tu as envie d'aller de l'avant, etc. Donc, fais plutôt référence à ça. Je vais voir s'il y a autre chose. Non, 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 il me focalise vraiment que sur ça. Regarde le présent, ne focalise pas sur passé et futur, mais uniquement présent et d'aller creuser derrière ce qu'il y a derrière. Voilà. Il n'y a pas ton micro, Aline. On ne t'entend pas. Ça y est. Il y avait longtemps, dis donc. Alors ça, on ne perd pas les habitudes. Je n'ai pas changé, je suis toujours la même que j'étais. Ne change pas, c'est très bien comme ça. Mais mets ton micro, s'il te plaît. On a un retour de Linda qui nous dit « Merci, ça me parle beaucoup. » Super, ok. Allez, je remonte. Je remonte. Coucou Gégé, un gros gros bisou. Gégé est une amie très 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 proche. Donc, coucou Gégé. Bisous à toi Gégé. Alors, coucou Sandra. Zafira Zen. Alors, est-ce que j'ai vu pas mal de personnes qui disaient un message de mes guides. Alors, pour information, pour celles qui viennent d'arriver, je le répète, Christelle n'a pas besoin de date de naissance. Juste et de prénom. Ouais, voilà. Christelle est un médium, on appelle ça sans filtre en fait. Donc, du coup, est-ce que tu prends genre, je voudrais un message de mes guides ou tu Alors, moi, la manière dont mes guides fonctionnent et la manière dont moi je fonctionne, c'est de se mouiller un minimum. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mettre, voilà, quel est le message des guides, je le comprends. Parce qu'on peut se dire, oui, mais j'aurais peut-être 5 ou 10 questions à poser, c'est difficile de choisir. Et puis, ben, je m'en remets au guide pour me dire, ok, dites-moi le message le plus important. Mais dans ma médiumnité, plus on va être précis dans la question ou s'impliquer dans la question, et plus les guides vont répondre. Donc là, ça donne un peu, là, les guides m'envoient l'image de quelqu'un qui est au bord d'une piscine et qui va tremper juste un peu son orteil, mais qui ne se mouille pas trop. Donc, je vais privilégier les questions concrètes. Et pas global, genre, quel est le message pour moi? Même si je veux bien en prendre après. Mais je voudrais d'abord privilégier les questions précises. Ok, ça marche. Je te pose des questions parce qu'en défilant, j'en ai vu. Donc, oui. Moi, je suis comme toi. Hein. Je privilégie d'abord les questions précises. À questions précises, réponses précises. Hein. Donc, oui, voilà. Du coup, voilà. Donc, je lis Zafira. Pardon, Zafira. Oui, c'est bon. Alors, Zafira qui demande « Bonsoir, j'aimerais un message de la part de mes guides pour débloquer ma vie dans le domaine du travail. Merci beaucoup. » Ah, je vois un nid de guêpe. Alors, pour moi, le nid de guêpe… Alors oui, de nouveau, les guides m'envoient des images et moi, je vous dis l'image que je vois et puis comment je la traduis par rapport à l'énergie que je ressens. Libre à vous d'y adhérer ou pas. Parce qu'une image va me parler peut-être dans un certain sens et vous dans un autre sens. Donc, faites toujours plus confiance à vous-même qu'à mon interprétation que je peux avoir. Et donc, je vois un nid de guêpe au niveau du travail où en fait, il y a des choses qui se jouent et qui ne dépendent pas de toi, mais dont tu pâtis. Tu vois, tu payes les conséquences de quelque chose. Il y a quand même pas mal de trucs qui pourraient s'apparenter à de l'injustice. Alors, pas le truc énorme, je le vois plus dans de la fioriture. On me montre de la fioriture pour me dire, ok, ça peut être assimilé à des petits détails, mais qui n'en sont pas pour toi. Parce que quand tu l'accumules, et puis 1 plus 1 plus 1 plus 1, en bout, ça fait 10, 15, 20, et ça commence à bien faire. Mais je sens surtout ça pour toi. Alors, ta question, c'était par rapport au travail et la suite. À nouveau, ça fait référence à soi-même. Alors, c'est dommage, je n'ai plus la question sous les yeux, mais ce n'est pas grave. Je te vois tournoyer comme ça. Tu vois, je te vois faire un 360 à observer les gens avec une énergie vraiment volontaire, avec quelque chose qui est vraiment… Il n'y a aucune méchanceté, il n'y a aucune malveillance, tu n'es pas du tout du genre à mettre des bâtons dans les roues des autres, tu es là pour faire ton boulot correctement et puis si on peut le faire dans la bonne humeur, c'est quand même vachement mieux. Sauf que tout le monde ne partage pas ton avis ou ta manière d'être ou ta vision. Et du coup, ça entre en fait
en collision, si je peux dire ça comme ça, avec toi. Parce que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et la première chose dont on me parle, c'est surtout l'acceptation des différences. Donc, à partir du moment où tu peux passer cette étape de accepter les différences, on n'est pas tous les mêmes, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Moi, je trouve normal que voilà, c'est mieux de travailler dans une bonne ambiance. Oui, effectivement, mais voilà, je dois accepter que ce n'est pas la priorité de tout le monde et que d'autres personnes peuvent tout à fait fonctionner autrement. Et que même après cette partie d'acceptation des différences de chacun, on me montre un miroir face à toi où il faut aller voir « et toi là-dedans ». Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas? Est-ce qu'il est question de changer de travail parce que tu n'en peux plus, ou est-ce qu'il est question de changer de travail pour mieux correspondre à ce que toi tu as envie de faire, à ce qui vibre en toi? Il y a vraiment aussi une petite introspection parce que c'est pas comme si c'était un énorme truc à aller voir, approfondir, creuser, poser 36 000 questions. Parce que je te sens déjà très ouverte et très consciente et très lucide. Mais le choix t'appartient en fait. C'est comme dans l'énergie que je ressens par rapport à toi, c'est comme si tu avais oublié que le pouvoir, il est dans tes mains. Et que tu as le pouvoir et l'autorisation d'utiliser ce pouvoir, entre guillemets, mais de dire oui ou stop. Avec ça, je suis OK, avec ça, je suis pas OK. D'agir d'une manière ou d'une autre pour changer ta réalité à toi et pour changer l'environnement si ça ne te convient pas. Que ce soit un environnement directement proche ou plus lointain, c'est-à-dire de rester dans le même boulot en changeant cette vision-là ou de changer carrément de boulot. Donc voilà. Aline, je ne sais pas si tu m'entends, si tu es là. Je suis la voix. Quelle était la question? En fait, si tu pouvais juste laisser la question tant que je réponds, comme alors, ça je me reconnecte à la phrase, s'il te plaît. Elle est là, Zafira. Débloqué, voilà, c'était ça qui m'avait parlé. C'est pour ça que les guides me parlaient d'introspection et de revoir en toi. C'est que pour débloquer ta vie... c'est pas tant un blocage que ça. Moi, en tout cas, dans l'énergie que je ressens, alors attention, je conçois tout à fait que tu puisses le vivre et le ressentir comme un blocage, comme un frein. Moi, je le ressens plutôt dans cette énergie par rapport à toi comme étant, ouais, c'est un caillou dans la chaussure, c'est un grain de sable sur la route, mais c'est pas une montagne. Ça veut dire que tu es tout à fait capable, en fait, de le gérer. Donc, voilà pour toi, Zafira. Ok, merci. Alors, je regarde s'il y a des retours. Hein. Je fais encore une YouTube, après je ferai Facebook. On va essayer de partager un peu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de YouTube. Oui. Allez, Sandra. Sandra qui demande, « Depuis quelque temps, je m'éparpille et je m'épuise à chercher par quoi commencer pour changer de travail. Dois-je commencer par l'énergétique et tout ce qui va avec ou par l'artistique ?» Alors, les guides me disent la question est mal posée. Je m'explique. Parce que je commence à connaître, enfin, je sais comment les guides me parlent, comment je le reçois, mais que quand je le dis tel quel, ça peut être perçu d'une autre manière. Quand les guides me disent que la question est mal posée, c'est tu demandes par quoi est-ce que je commence? Gauche ou droite, l'énergétique ou l'artistique? Et les guides me disent à quel moment tu t'es dit toi qu'il fallait choisir? À quel moment tu t'es dit qu'il fallait dissocier l'énergétique et l'artistique? Et il t'invite plutôt à englober l'un avec l'autre et à te dire, mais tu peux faire les deux en même temps et tu peux faire les deux, alors soit en parallèle, soit en croisé, c'est-à-dire soit tu fais et l'énergétique et l'artistique, mais qu'ils sont dissociés l'un de l'autre, ce sont deux activités que tu fais en parallèle, en même temps, ou alors en croisé, c'est-à-dire que ton côté artistique se retrouve dans ton côté énergétique. Et réciproquement, ton côté énergétique se retrouve dans ton côté artistique. Et ces deux possibilités sont marquées pour toi. Oui. Alors, excuse-moi, mais je pense que, je ne sais pas si c'est que moi, ou est-ce qu'elle a été coupée aussi pour vous au niveau du son et de l'image? Parce que moi, ça a fait un écran noir et un tourbillon. Donc, du coup... Un écran noir et un tourbillon. Ouais, ça a été coupé, ça a été saccadé au niveau de la voix en fait. Et okay.
ça a fait comme une micro-coupure, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est que moi ou si c'est que... voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne... Ah, non, impec, pas de coupure. Ah, ben, tu vois, c'est que moi, en fait. Ok, merci, Eden Blue. Non, mais c'est bien. Comme ça, il a eu la... C'est que toi, Dragofé. Ok, c'est parfait. Merci à tout le monde. Mais donc, voilà, pour toi, Sandra, c'est... Déjà, il n'y a pas d'obligation de faire blanc ou rouge ou bleu ou violet ou quoi que ce soit. Tu le fais selon ton ressenti, selon ce que toi, tu as envie. Il n'y a pas une attente, il n'y a pas les guides qui vont dire « Non, non, on veut que tu fasses ça. » Et tant que tu ne feras pas ça, on va te botter les fesses et on va te montrer, on va te mettre sur ton chemin des trucs pour te montrer que tu fais fausse route. Ça n'existe pas. Pour toi, dans ton énergétique, c'est pas du tout ça. Et tu peux vraiment mêler les deux. Et ça, c'est un choix qui t'appartient. J'ai l'impression que ce soir, le thème général, c'est un petit peu ça, le pouvoir de chacun, ce qui est très comique, puisque je n'ai pas dit si on pouvait en parler, mais ce sera le thème d'une prochaine émission avec Christine Pierlot, de dire, voilà, on se bouge, on fait l'action parce que ça vient de nous. Bref. Donc, voilà pour toi, Sandra, c'est ne dissocie pas l'un et l'autre, et suis tes envies et ce que toi, tu ressens. Alors, j'ai exactement le même message, Sandra, c'est que quand je lisais ta question, j'avais la réponse, en fait. C'est que dans ce milieu, pardon pour ce que je veux dire, mais spirituel New Age, en fait, on sépare tout. Alors que tu peux, regarde, moi, je fais mes tableaux, la feuille d'or, d'argent et de pied, je fais mes pendentifs et en même temps, je fais de l'énergétique, je fais tout en même temps. Pourquoi tout séparer? Pourquoi est-ce que tu serais obligé de commencer par un ou par l'autre? Commence partout, en fait. Peu importe, en fait, ce que tu fais. Si tu aimes l'artistique, moi, j'adore l'artistique, je n'ai pas à choisir et je ne pourrais pas choisir. C'est impossible. C'est comme si tu me demandais de choisir entre un amour et mon enfant. Enfin, tu vois, donc ce serait mon enfant, d'accord. Mais pour le coup, tu vois, ce serait difficile. Ne choisis pas. Ce sont deux amours pour toi. Moi, ce sont deux amours pour moi, l'artistique et l'énergétique fonce. Il n'y a pas de séparation. Arrêtez de tout séparer. Dans le yin et le yang, dans le yin, il y a du yang et dans le yang, il y a du yin. Eh bien, c'est la fusion permanente. Fais-toi plaisir et fais tout, en fait. C'est donc, ça. Voilà. En gros, alors, c'est marrant hein, que tout soit tout séparé. Et c'est marrant parce que tu parles de pouvoir, parce que moi, je suis le genre d'enseignante et il y a plein de personnes ici que j'ai enseignées sur le chat qui peuvent me contredire où je leur dis, il est temps de reprendre votre pouvoir. Ne me croyez jamais sur parole. Le meilleur guide que vous puissiez rencontrer dans votre vie, c'est vous. Oui, c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est encore plus fort maintenant que quand on en parlait il y a 2 ans ou 3 ans. C'est, voilà. Il y a tout qui nous pousse vraiment à prendre un miroir et en disant mais c'est vous, c'est à l'intérieur de vous. Il y a plein de personnes dont nous faisons partie, entre autres, mais on est là pour guider, pour partager nos expériences, pour donner des petits trucs, mais on n'est pas là pour faire à votre place ou pour vous dire comment ça va se passer. C'est... Tout dépend de vous, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que si j'ai vu qu'elle m'était plus loin, Sandra, je me sens bien dans les deux domaines. Mais alors, n'hésite même pas. C'est ça. Il n'y a pas de choix. C'est ça. C'est-à-dire que soit l'artiste que tu dois être et soit l'enseignante et la praticienne en énergétique que tu dois être. Et ne choisis pas jamais, en fait. Ouais, c'est ça. C'est parce que vous sentez, tout le monde me dit, alors est-ce que je fais de l'énergétique ou est-ce que je fais de la naturopathie? Ben, c'est pareil en fait, faites tout, soyez fous quoi. Ouais. Écoutez votre cœur et c'est comment tu vas gérer ça? Mais très facilement en fait. Quand tu auras des rendez-vous, tu feras tes rendez-vous énergétiques et quand tu n'auras pas de rendez-vous, ben, tu feras le côté artistique comme je fais moi. Et entre deux, je fais du sport pour ne pas me ramollir. Ouais. Donc, voilà. Allez, hop, un nouveau commentaire. Hein, parce que je vais... Sandra, qui dit, merci à toutes les deux. Du coup, je peux faire les deux en même temps. Mais oui, ouais. Je n'ai pas fini de passer des nuits blanches. Oui. Oui, bah oui, bienvenue au club. Mais oui. Alors, attends, parce qu'après, il va falloir gérer ton entreprise. Oui.
Mais c'est tellement, tellement plaisant. On n'est pas nombreux à faire des métiers qu'on aime. Et franchement, on a une chance incroyable. C'est ça qu'il faut se dire avant toute chose. Mais comment je vais faire? Et où? Tu te rends compte de la chance qu'on a d'avoir des passions? Il y a plein de gens qui n'ont pas de passion. Et nous, on en a. C'est magnifique. Et épanouissant, ouais. Ah oui, ah ouais. C'est du... ouais, y a beaucoup de questions. Tout le monde ne pourra pas être pris ce soir, mais on va faire au mieux en tout cas. Allez, une petite Facebook. Jean-Jacques, coucou Jean-Jacques. Nous aussi, on est très heureux de te retrouver. Coucou Jean-Jacques. Alors, Facebook, c'est possible, est-ce que je peux avoir un message déguisé? Non, Jean-Jacques, elle prend pas de... En plus, c'est le premier de Facebook, hein. Ah. Non, D'abord mais... les questions plus précises et investies. Ouais, d'abord, on prend les questions précises. Alors, Facebook, vous vous êtes donné le mot, c'est que... Y a-t-il un message de mes guides? Franchement. Alors, Valivalou, pareil. Ah, oh, purée, mais oh, c'est un ouf. C'est que des questions comme ça? Ouais. Alors, je pense qu'il y en a une qui est partie comme ça et que tout le monde Tout le monde a enchéri de la même manière. Anne-Lise, c'est pareil. Ah, non. Elle l'a mis plus tard, Anne-Lise. Oui, D'accord. donc on répète en fait qu'on ne prend pas ce genre de questions parce qu'on demande un minimum d'investissement et de se mouiller un minimum plutôt que de faire des questions générales. C'est ça. En fait, Anne-Lise, elle avait mis pareil. Elle avait mis. Je pense que tout le monde. A, quand, tu sais, je pense que il y en a un qui part sur un truc. Tout le monde suit parce qu'il pense que c'est la bonne formule. Oui, bien sûr. Là, Oui, bien c'est sûr. Oui, Facebook, je ça a fait que comprends. ça. Il n'y a que Anne-Lise qui a fait la même chose, qui a dit oups, pardon, Oui, et qui a reformulé. c'est bien. Alors, Allô, Annelise. Anne-Lise, elle dit, j'avais pas bien écouté la consigne. Ah, pour une maîtresse d'école, ça la fout mal, Anne-Lise. Puis-je avoir un message concernant mon avenir amoureux? Merci. Oh, je vois un troupeau. Là, mes guides me disent troupeau, troupeau de mecs. Ouh là là, Annelise, ça va être chaud. Il y aura le choix. Alors, je vais voir. À nouveau, en fait, je vois, tu sais, ce sont des chemins où à un moment donné, tu as des choix à faire, les chemins, le chemin, le fameux chemin en Y. Moi, quand je reçois cette image-là, c'est pour montrer effectivement qu'à un moment donné, tu as soit un choix à faire, soit la possibilité, enfin, tu te retrouves face à un moment où tu peux choisir. Tu vas à gauche, à droite, tu fais, voilà, tu fais ton propre choix. Mais ce n'est pas quelque chose qui est marqué dans le marbre et qui est absolument inévitable. C'est quelque chose que tu crées toi-même. Moi, je ressens l'énergie de beaucoup de mental, beaucoup de questions, beaucoup d'analyses, beaucoup de, tu vois, tout ça. Et fatalement, tout ce mental, ces questions, etc., amène à un moment donné la question, OK, ben alors je fais quoi? Je reste, je quitte, je rencontre, je fais quoi? Enfin, etc. Mais moi, on me pointe surtout, on me pointe surtout le questionnement et l'appel à juste à se laisser vivre et à la notion de l'attente. Donc, L apostrophe attente. Et que c'est plus ça qui te pourrit qu'autre chose. Le fait d'attendre, d'espérer que quelque chose vienne de l'extérieur. Et je sens aussi une légitimité dans ta question. Alors, j'ai pas tout le contexte de la situation dans laquelle tu es. Les guides ne me donnent pas tout, mais ils me disent qu'il y a une légitimité dans ta question. Donc, ok, on comprend que tu poses cette question-là, mais où es-tu toi? Où es-tu toi à l'écoute de ce que tu sens? C'est fou parce que j'ai l'impression de me répéter par rapport à d'autres personnes, mais c'est exactement la même vibration de réponse. C'est essaye, parce que le message, c'est ne sois pas dans l'attente. Oui, enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, on le sait. Mais de vivre beaucoup plus, de profiter de chaque instant, de ce que tu as, de ce qui se présente sous les yeux, de ce dont tu peux déjà profiter, pour diminuer un petit peu cette attente, parce qu'on me parle plus de poison. Cette attente-là, telle que toi tu la vis, c'est plus un poison qu'autre chose pour toi. Alors, quand je dis poison, ce n'est pas le truc genre mortel, hein, on est bien d'accord. Le poison, l'image du poison est vraiment donnée pour dire ça t'apporte rien de bon. Ça ne te nourrit pas, ça ne t'épanouit pas,
ça t'infiltre goutte à goutte quelque chose qui te morfond, qui te rend triste, nostalgique ou inquiété, ou, enfin, tu vois, tout ce genre de choses. Donc, c'est vraiment la notion de l'attente, si tu peux essayer d'adoucir ça, de revenir dans le présent, de profiter de chaque instant et sors quand tu peux et fais ce dont tu as, voilà, ce dont tu as envie, toujours évidemment dans le respect des personnes, hein. Mais moi, c'est plus ça, c'est par rapport à l'attente. Alors, ce qui est très marrant, parce qu'en général, j'ai l'info, c'est que je n'arrive pas à savoir si tu es en couple avec des attentes par rapport au conjoint et que tes attentes ne sont pas répondues, ou si tu es célibataire et que tu attends une rencontre. C'est très marrant parce que je n'ai pas cette info-là. Alors qu'en général, je l'ai, mais là, je n'ai pas cette info. Mais en tout cas, c'est clairement par rapport à l'attente de recentre-toi sur ce dont toi tu as envie, ce que toi tu as envie de faire, toujours dans le respect de l'autre, si jamais tu es en couple, évidemment. Mais de diminuer un petit peu tes attentes pour profiter plus du présent. Ça, c'est ce que j'ai pour toi, Annelise. Ouais. Oui, alors moi, c'est marrant, j'avais quand même le sentiment qu'elle, le fait qu'elle soit dans cette forme d'attente, d'espoir, elle ne co-crée pas de la bonne façon, tu vois, et ça la met c'est dans ça. Des énergies, de basse énergie, qui ne lui permettent pas de co-créer l'amour qu'elle attend. Oui. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Alors, ok, là je regarde si j'ai un retour, non. Je remonte sur un YouTube, donc j'essaye d'être assez juste. Si j'ai zappé quelqu'un, faites-moi le savoir, mais... Christelle Savre, coucou Christelle. Hello Christelle. Qui, normalement, je suis dans l'ordre de YouTube, hein, normalement, je devrais être bonne. Qui dit « J'aimerais savoir quelle capacité j'aurai encore à travailler pour mon évolution spirituelle et professionnelle. » Merci. Wow, alors attends. C'est, alors, comment je vais le dire? Tu vois, j'essaye quand même d'arrondir les angles. Je dis « Ouais, je suis beaucoup plus cash », mais en fait, non, j'essaye quand même encore d'arrondir le truc. Alors, les gars, vous me saoulez. Comment je vais lui dire? Mais c'est exactement ça. En fait, mais oui, l'énergie que je reçois de la part des guides, alors non pas que les guides ne vont pas s'énerver entre guillemets comme nous dans l'émotion, etc. Mais la fréquence que je reçois, c'est ça, c'est mes bons sens, bonsoir, enfin, arrêtez d'attendre de l'extérieur et de partir dans le sens, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je dois encore travailler, enfin, le simple fait de vivre au quotidien. C'est déjà travailler sur soi. On a une idée, alors ça existe aussi, du genre si on identifie un manque, une blessure, un travers entre guillemets, c'est pas un travers, mais voilà, quelque chose sur lequel on a besoin de travailler, ok, on est conscient, etc. On ne travaille pas toujours volontairement. Si tu as besoin de vivre, par exemple, la guérison d'une trahison, ok, comment tu fais pour aller la travailler ? Tu la travailles par l'expérience, c'est-à-dire qu'une fois qu'une personne te trahit, ok, tu prends sur toi-même, tu t'analyses, tu dis ok, comment je réagis, quelles sont mes émotions, comment je vais faire pour passer au-dessus, est-ce que je vais régler la situation avec la personne ou de moi-même, je coupe les ponts ou pas. C'est tout ça aussi, travailler sur soi. Et donc, j'aimerais savoir quelle capacité j'aurai encore à travailler pour mon évolution spirituelle et professionnelle. Je sens l'énergie d'un énervement en disant mais vous avez toutes les capacités en vous. Sauf que nous, les humains, et j'étais dans le même bain, donc je ne suis pas du tout en train de dire « mais vous pigez pas et je vais vous expliquer », ce n'est pas du tout ça, parce que j'étais exactement comme ça aussi. C'est de penser qu'on attend, il faut avoir quelque chose de l'extérieur, on doit travailler sur soi, je vais développer mes capacités, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qui me manque. Et là, la réponse que je reçois, c'est « mais vous les avez déjà, ces capacités ». La réponse, le secret, entre guillemets, si on doit utiliser ce mot-là, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous. Si vous êtes en osmose avec quelque chose, si vous êtes bien par rapport, et ça peut être n'importe quoi. Alors, j'ai l'image, par exemple, d'une personne qui promène son chien en rue. Son chien fait ses besoins en rue. La personne ne ramasse pas et s'en va. Voilà. Ça, c'est vraiment la métaphore que les guides me donnent. Vous allez le voir, selon la personne qui va voir cette scène,
Soit ça vous met en rage et vous allez courir derrière la personne et lui hurler dessus en disant « c'est innommable, c'est dégueulasse et vous devez ramasser tatati tatata ». Une autre qui va dire, qui va penser la même chose, mais qui ne va pas pour autant courir derrière la personne qui va juste faire la réflexion intérieure en disant « écoute, ça ne va pas, quoi, c'est pas sérieux, c'est pas respectueux, je ne suis pas d'accord avec ça ». Ou une autre qui va s'en foutre royalement. On peut tous avoir, il y a un spectre de possibilités d'émotions que l'on ressent face à une même scène, face à une même situation. Et le secret, de nouveau, comme les guides me disent, entre guillemets, c'est agissez en osmose, en cohérence avec ce que vous ressentez. Si par exemple, vous avez envie de courir cette dame, derrière cette dame, soit de crier dessus, soit de lui parler gentiment et de dire, écoutez, voilà, j'ai vu que vous n'aurez pas un sac, etc. Faites-le. Parce que c'est le fait de ne pas faire des choses ou de rater, enfin pas de rater, de passer à côté de quelque chose qui vibre en vous, qui existe en vous, et de ne pas le faire, c'est ça qui vous fait passer à côté, de nouveau, votre mission, votre vibration, enfin voilà, tous ces mots New Age, spirituel, etc. C'est ça, donc en fait, la réponse, c'est soyez à l'écoute de vous-même, et les capacités, elles se développent au fur et à mesure. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une de tes émissions, Aline. Moi, l'évolution que j'ai pu faire, quand j'ai pu remarquer, tiens, ma médiumnité évolue, elle change, elle s'amplifie. Ah tiens, maintenant j'ai des images. Ah tiens, maintenant j'ai ça. Ah tiens, maintenant. Ça a toujours été par étapes et par paliers. Mais je ne me suis jamais posé la question, comment ça va devenir? Comment je peux développer? Alors, je ne dis pas que c'est absolument ce qu'il faut faire. Hein, c'est juste mon parcours qui a été tel quel. Mais c'est vrai que c'était toujours dans les moments où j'étais à milieu de penser à ma médiumnité, l'énergétique, etc., où j'ai eu des énormes trucs dans ma vie, mais vraiment tellement énormes que je me disais « ah oui, waouh !» et que j'ai pu constater. Et puis j'ai appris voilà, à me faire confiance et à découvrir ces capacités. On en a tous, mais on n'a pas tous besoin non plus, les guides insistent aussi, de dire « attention, tu dois absolument dire qu'on n'a pas tous une voie à suivre dans ça. Les capacités telles qu'on en parle maintenant, et la médiumnité, voir les choses, entendre des choses, etc. C'est d'abord pour soi-même et pour son entourage. Donc, ce n'est pas d'office pour en faire des soins énergétiques, pour installer son cabinet, pour créer sa propre chaîne ou quoi que ce soit. Il y a pas ces capacités qu'on a tous en nous ne sont pas les mêmes pour tout le monde et ne sont pas vouées à la même destination pour tout le monde. Oui, Aline ? Non, je crois que tu voulais dire quelque chose, pardon. Alors, c'est juste parce que Christelle, elle a pas, c'est juste qu'elle est déjà médium. Le truc, c'est qu'elle n'a pas compris comment ça fonctionnait, en fait. Elle a pas, on me montre, moi, un petit déclencheur qui n'a pas déclenché. Et quand tu es dans le mental à vouloir, moi, je forme à la médiumnité. Hein, et du coup, quand on est dans le je veux, on est dans le mental. Laisse, fais confiance à ton intuition. Tu sais, cette intuition. On est tous médiums, on ne va pas tous le développer et ceux qui vont le développer, ça ne va pas être pour les mêmes raisons. Mais on a tous cette petite voix, surtout chez les femmes, cette intuition qui nous fait dire « Ah là là, j'aurais dû m'écouter ». C'est ça la médiumnité, c'est le départ de la médiumnité. Et elle va évoluer, plus tu vas te faire confiance, plus cette intuition va évoluer, elle va prendre de la place et ça va se transformer soit comme Christelle et moi en clairvoyance, je suis comme Christelle, je vois des images… Et je vais vous dire, alors là, on me montre que tu as la main accrochée à une poignée. Voilà. Et ça, c'est la clairvoyance. Je suis aussi clairaudiente, mais beaucoup moins, puisque la clairvoyance est la médiumnité la plus difficile, parce qu'il faut traduire des images, que la clairaudience, on répète ce que l'on entend. Mais dans tous les cas, Christelle, juste sois dans le ressenti, et tu as ce petit. Tu es à deux doigts, en fait. Tu es déjà médium, donc tu es. Voilà, il te faut ce petit truc et ça va venir. Mais ne sois pas dans le « je veux »,« je dois », sois juste dans le « ok, je suis ». Oui, parce que le « je veux », tu envoies quoi comme message à l'univers ?« Je veux parce que je n'ai pas ». Et si l'univers conspire pour toi à te montrer que tu as raison, ben, si tu as raison de dire « je veux », si on te le donne, tu ne vas plus le vouloir puisque tu l'as. Enfin, tu vois, on peut commencer ces jeux de mots-là aussi. Ouais, c'est juste accueillir… tel que tu es, et comprendre comment ta médiumnité fonctionne, c'est ça. Le petit déverrouillage, c'est comment je fonctionne au niveau médiumnique. Est-ce que je suis clairvoyante, clairaudiente, clairsentiente ? On est tout, en fait. Quand un se développe, tous les autres suivent.
juste ta première médiumnité, comment elle est. Et une fois que tu as identifié ça et comment ça fonctionne, après, petit à petit, il faut prendre le temps. Moi, ça a mis du temps, ça a mis des années, en fait. Et encore, dernièrement, je me suis dit, waouh, je crois qu'on m'a mis la fibre. Donc, tu vois, et ça évolue tout le temps, en fait. Alors là, par contre, ma chère Christelle, nous avons un petit coucou de Laetitia. Ah, coucou, Laetitia. Qui dit, soyons fous. Oui. Venant de toi, Laetitia, ça m'étonne. Et Alex, alors tu sais Alex, tu m'as dit tout à l'heure, j'ai regardé une émission avec toi et Alex. Ah, c'était lui alors que j'ai vu, d'accord. Et un coucou Alex, on ne se connaît pas, mais j'ai vu l'émission que tu as faite avec je crois qu'il a fait une consultation avec toi. Mais le nom, oh, c'est pas vrai. Oui, je me souviens. Ah oui, coucou Alex. Maintenant, je me souviens, mais je me disais le nom me dit quelque chose, mais je ne recollais plus. Oui, effectivement, je me souviens maintenant. Les Mado. Allez, Modo. Je lis un message de coucou. Ascension, je ne sais plus quoi. J'ai perdu le pseudo. Mio. Alors, tac-tac. On remonte. On prend un Facebook. Alors, j'en ai vu après. Valibalou. Ah, celle-là, c'est Vanessa, je crois. Alors, il y avait Anne-Lise, c'est ça. Et c'était donc après Vanessa. Alors, Vanessa qui dit bonsoir. Vanessa, est-ce que je dois travailler mon don? Donc, ses capacités, je pense. Je souhaite persévérer avec une formation en soins énergétiques et pendules faite récemment. Merci. Alors, la première chose, c'est est-ce que je dois persévérer? Pourquoi tu remets ce pouvoir à quelqu'un d'autre? C'est ça. Est-ce que si les guides maintenant te disent « Non, non, tu fais fausse route, arrête. » Fais du tricot. Est-ce que tu vas arrêter? Donc, imagine, ça te plaît, c'est vraiment le kiff, tu adores. Est-ce que tu es en train de remettre ton pouvoir dans la main, soit de moi selon ma canalisation ou par les guides? Et si les guides te disent « Non, non, écoute, tu fais fausse route, arrête », est-ce que tu vas arrêter pour autant? Est-ce que tu vas aller à l'encontre de toi-même, de ce que tu ressens, de ce dont toi tu as envie, tout ça parce que quelqu'un t'a dit d'arrêter, que ce n'était pas le bon chemin? À nouveau, on est sur le pouvoir de chacun et de prendre ses décisions par rapport à vous-même. Maintenant, je comprends que cette question est humaine, entre guillemets. C'est-à-dire que « Ok, je la comprends ». Mais du côté de l'énergétique et des guides, c'est beaucoup plus à nous pousser en disant mais écoutez-vous, vous, soyez à l'écoute de vous-même. Ne remettez pas votre vie, votre décision, vos choix à quelqu'un d'autre. Que ce soit une médium comme moi ou que ce soit les guides ou que ce soit votre voisin ou n'importe qui. C'est fait selon ce que vous ressentez. Alors après, ok, il y a des considérations matérielles. On est d'accord, on vit dans un monde matériel, il faut remplir le frigo, on a peut-être des enfants, il faut assumer, il y a des factures, ok, d'accord. Mais si ta question c'est est-ce que je dois persévérer dans l'énergétique, moi je te renvoie la question de quoi toi tu as envie. Maintenant, je vais poser la question différemment pour toi. La question que moi je pose au guide c'est est-ce que, alors je n'ai pas le prénom, Milo je crois, je ne sais plus. Est-ce que, je vais faire la question générale, ok. Ouais, non, c'était vraiment ça, hein, c'est le retour. Tu fais des belles choses, hein. Tu fais des bonnes choses dans l'énergétique et dans tout ce que tu apprends et dans ce que tu fais. Maintenant, il y a peut-être un éparpillement. Est-ce que c'est français, ça? Je crois que oui. Tu vas t'éparpiller un petit peu. Vanessa, non. Ah oui, donc c'était Vanessa, pardon, ok. Tu vois, et tu le dis, je souhaite persévérer avec une formation en soins énergétiques et pendule faite récemment. Donc, tu me dis clairement ce que tu souhaites et tu vas me remettre à moi la responsabilité de contacter les guides pour te dire oui ou non. Tu fais fausse route ou tu fais bonne route.
C'est ton choix, Vanessa. Si tu as envie de persévérer dedans, fais-le. Ça t'apportera de toute façon quelque chose. Et pour travailler ton don, ben, on a répondu tout à l'heure, Aline et moi, Vanessa, oui, ok, d'accord. On a répondu de la même manière en disant, putain, j'ai déjà perdu, pardon, j'ai dit un gros mot, j'ai déjà perdu le fil. Oui, les dons, les capacités. Ben, on a répondu à la question précédente en disant, ben voilà, ça se travaille entre guillemets pas, c'est juste en étant à l'écoute de soi. Et voilà, tu pourras refaire le replay et réécouter si tu veux pour cette partie de la question. Donc voilà Vanessa. Alors, j'ai une question, beaucoup Elise, qui me fait très rire et que je pense que les guides vont adorer. Oui. Merci pour ce direct. Pouvez-vous demander à mes guides J'adore, Elise, j'adore. C'est la première fois depuis que j'ai commencé tout ça que j'entends. Pouvez-vous demander à mes guides comment ils vont? Écoute, des cœurs, des fleurs et de. T'as plein de trucs vraiment super. Franchement, c'est génial. J'adore ta question, Elise. Écoute, je vais leur poser les questions. Chez nous, ça va jamais mal. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont contents d'elle? Mais est-ce qu'ils sont contents d'elle? Alors, je vois de nouveau toutes ces petites fleurs qui émergent là, tu vois. Moi, cette image-là, je la reçois quand c'est pour montrer quelque chose de léger, de fleuri, de joyeux, d'allégé, de très chouette. Donc, je le prends dans le sens positif. Maintenant, ah oui, alors attention. Les guides me disent, ce n'est pas une question d'être content. Ils n'ont pas ce genre d'émotion-là. Il peut y avoir il me parle plus de fréquences et de vibrations qui vont être plus hautes, moins hautes, plus… Voilà, ça varie un petit peu comme ça. Le mot content est purement humain et on ne peut pas rattacher le mot content à l'énergétique de l'univers, etc. Il me demande de préciser. Mais en tout cas, il parle beaucoup plus de soutien. Il dit surtout qu'elle est à l'écoute, Elise. Donc, si je devais traduire en langage humain, je dirais oui, ils sont très contents de toi parce que tu écoutes ce qu'il te dit. Tu écoutes ton toi, comment tu es toi à l'intérieur, mais tu es très à l'écoute de l'univers, des signaux, de ce que la vie t'apporte et de tout ça. Donc voilà pour toi, Elise. Mais elle est top comme question. Ouais, t'es top. Je suis tombée dessus par hasard là et je me suis dit, oh, ouais. Là, je me la garde. Ouais, c'est très chouette. C'est vrai qu'on me montre, Elise, qu'il y a quelque chose qui a changé chez toi là depuis peu. Tu t'es beaucoup plus connectée, sans doute être connectée, je ne sais pas, tu t'es beaucoup plus connectée à tes guides en fait, à ton toi supérieur et à tes guides. Ok, je remonte du coup. Ce qu'on a fait donc un YouTube et je vais prendre un petit. Alors, à Jean-Jacques. Je vais donc affiner ma question. Voilà. Jean-Jacques, tout à l'heure, qui était bien avant tout le monde, d'ailleurs, c'était le premier. Je vais donc affiner ma question. J'ai suspendu mes photos depuis 4 mois. Je souhaiterais savoir si je vais reprendre mon travail de reporter de lumière. Merci beaucoup. Alors oui, Jean-Jacques, mais autrement, parce que tu es beaucoup pollué. La première chose que les guides m'ont dit, c'est qu'ils ne sauraient en être autrement. Vu, bon, je connais ton travail et tes photos, mais les guides me disent, vu la qualité de ce que tu fais, la manière dont tu reçois et la vision que tu apportes au monde, c'est beaucoup trop important que pour priver le monde de cette vision-là. Donc oui, tu vas reprendre. Mais ils me parlent aussi, alors moi je mets le terme pollution, c'est pas ce mot-là que j'entends, mais c'est la vibration que je reçois où tu as plein de petites choses autour de toi. Notamment, ça peut être des critiques ou des incrédules. Les guides me parlent beaucoup plus de personnes qui sont incrédules face à toi et qui vont remettre en doute la crédibilité qui est apportée à ton travail. Et les guides t'invitent plus à mettre ça de côté en disant « on est 11 milliards sur Terre, est-ce que tu veux vraiment que la majorité des personnes et toutes les personnes qui voient ton travail voient la même chose que toi ou est-ce que tu les laisses libres de voir ce qu'ils veulent ?» Quand ils entrent dans ton schéma, par exemple, tu vois abstrait. Là, on me montre une galerie avec des peintures et des photos. Et en fait, tu as une personne qui dit « Ah, ben moi, je vois, voilà, c'est l'amour sur la terre, mais qui peut être
terrifiée par la guerre, etc. Et puis la personne à côté qui dit, ah ben moi, je ne vois pas du tout ça, je vois plutôt la liberté. C'est le même tableau, on a deux personnes devant qui ont deux visions différentes. Peu importe, chacun sa vision. Et là, toi, tu es très ouvert à ça. Tu es très ouvert à ce que chacun prenne ce qu'il a envie. Je sens très fort dans ton énergie que tu n'es pas là pour convaincre les gens. Tu n'es pas là pour leur expliquer comment il faut voir les choses. Tu es là dans un partage. Mais ce qui te chagrine, toi, ce qui te chiffonne et te fait mal, c'est quand il y a des personnes qui n'entrent même pas dans ce côté abstrait. Et plutôt que de dire, tiens, moi, je ne vois pas comme toi, je vois autre chose, ils vont remettre en question tout ton travail en disant, oui, bon, enfin, c'est des simples photos que tu interprètes comme tu veux, mais moi aussi, je peux faire ça. C'est ce genre de truc-là, tu vois. Et donc, les guides t'invitent plus à ne pas t'attarder à ce genre de critique. Parce que si chaque personne est libre d'avoir une vision personnelle sur tes photos, chaque personne est également libre de ne pas avoir de vision du tout et de se dire c'est du n'importe quoi et c'est de l'abstrait, moi aussi je peux le faire. Ah ben je t'en prie mon gars, vas-y. Tu sais, quand on a des critiques négatives, bon déjà on ne peut pas avoir que des critiques positives et constructives et on est tous différents et on peut avoir des avis différents. Les critiques négatives peuvent être constructives et c'est là que tu les acceptes. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens plus, c'est vraiment ceux qui n'entrent pas du tout dans ton monde, en fait. C'est plutôt ça. Ceux qui n'adhèrent pas dans ton monde, ils t'ont épuisé. Je sens vraiment un ras-le-bol gigantesque en disant, mais finalement, à quoi ça sert? Moi, je suis là en bienveillance, je n'impose rien, je partage. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je ne dis pas ce qu'ils doivent penser. Et je suis quand même encore attaquée ou pas crue ou décrédibilisée. Laisse tomber ça, Jean-Jacques. Plus tu vas apprendre à te détacher de ce genre de vibration-là, et plus tu le vivras mieux. Continue à faire ton truc comme toi t'as envie. Tu veux faire un break, tu fais un break. Tu veux reprendre, tu reprends. Tu veux encore refaire un break, fais comme toi tu le ressens. Peu importe ce que les gens vont dire ou pas. Alors évidemment, ça fait du bien à l'ego aussi, au mental, de savoir que ce qu'on fait, ça plaît, d'avoir des merci, d'avoir des bonnes choses. Mais ne t'attarde pas autant à ces gens qui peuvent donner des critiques négatives et qui ne veulent pas rentrer dans ton monde, parce que tant pis, eh ben, ils verront un autre monde, ce n'est pas grave. Ne te détruis pas toi, ne t'enlève pas toi du monde parce que certaines personnes de ce monde n'adhèrent pas. Voilà ce que je ressens. On me dit, Jean-Jacques, de travailler sur ton hypersensibilité, ce qui te bloque et ce qui te fait co-créer. En fait, plus tu portes d'attention, plus ça te touche profondément, parce que ça vient vraiment te toucher profondément. On me montre vraiment, tu vois, je t'avais jamais vu sous cet angle-là. Et là, on me montre quelqu'un qui est vraiment touché profondément par ce genre de remarques. On te demande de te détacher et de travailler sur ton hypersensibilité. Parce qu'en fait, plus ça te touche et plus tu envoies à l'univers, envoyez-moi des peignes cul, pardon pour l'expression, mais envoyez-moi des personnes qui vont me blesser. Parce que, en fait, tu le cultives et ça te prend tellement au trip que c'est ce que tu vibres le plus haut à chaque fois et on t'en envoie à chaque fois pour que tu guérisses ça. Il est temps que tu vas reprendre. Il n'y a pas de doute possible. Tu fais un super boulot. On est très nombreux à te le dire que tu es talentueux. C'est incroyable ce que tu fais. Et pourtant, tu t'attardes sur trois clampins qui critiquent ton boulot. Tu sais de quoi on m'a traité, moi ? On m'a traité de suppôt de Satan. Tu sais ce que je leur ai répondu ? C'est incroyable. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Je ne savais pas que Satan mettait des suppôts. Du coup, ils m'ont viré, ils m'ont supprimé tout seul. Ils ont disparu de ma vie. Et je n'ai plus personne qui, aujourd'hui, m'insulte. J'ai été insultée. Mais forcément, on a tous pris cher, en fait, à un moment donné. Ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, je suis blasée. Venez m'insulter, vous allez voir, j'ai un répondant à mourir de rire. Mais parce que ça ne me touche plus, en fait. Il faut que tu fasses pareil. C'est ton hypersensibilité. On te fait travailler ton hypersensibilité. Et oui, tu vas reprendre ces photos parce que tu es très, très talentueux. En tout cas, ça a plu Ascension, le suppôt de Satan. Non, mais il faut être con pour me traiter de suppôt de Satan, quoi, tu vois.
Alors Vanessa a répondu, oui, je pense vraiment, je me sens évoluée dans mes capacités. Oui, Vanessa, ça va aller encore de mieux en mieux, tu verras. Alors, on a dit qu'on prenait YouTube. Ah, Jean-Jacques est là. Ah oui, il a répondu. Jean-Jacques a répondu. Tu as vu sa réponse ? Non, mais moi, je suis en train de chercher le prochain YouTube. Ah, ok. Ben, je donne déjà la réponse de Jean-Jacques. C'est, oui, c'est tout à fait ça. Merci à toutes les deux. Je vais travailler sur mon hypersensibilité. Oui, tu verras, ça va aller beaucoup mieux. Alors, ce n'est pas que ça ne te touchera plus parce que tu es beaucoup plus sensible que moi, mais par contre, ça va te faire un bien fou de voir passer ces commentaires et ces critiques en te disant « mais ok, ça marche ». Tu vois, ça va plus te toucher en fait. Et ça, c'est cool, quoi, tu vois. Mmh. Moi, ça ne me touche même plus. Hein. Mmh. Oui, mais c'est à force de l'avoir vécu. Hein. Au début, ça fait mal. Et puis, à un moment donné, c'est aussi par ça. Après, il y a des critiques qui sont constructives. Et là, je suis très vigilante et je fais très attention à ce qu'on me dit. Par contre, j'ai vu hein, des genres de commentaires qu'on te faisait, Jean-Jacques, que tu ne devrais même pas t'y arrêter dessus, quoi. C'est tellement petit, quoi. Mmh. Isabelle R, c'est ton tour. Alors, bonsoir. Je pratique les soins énergétiques pour des gens de mon entourage. J'ai par ailleurs une amie médium et guérisseuse. Elle voudrait que je prenne sa place en avril 24. Qu'en pense le guide ? Alors, à nouveau, les guides répondent. On en revient aux thèmes principaux depuis le début de l'émission. Votre pouvoir, votre décision. Et c'est de nouveau la même chose. On dirait vraiment que c'est le thème principal de la soirée. Je vais voir si les guides disent un peu plus. Alors, moi, j'ai un message de « on te pousse » et ce n'est pas la première fois. C'est comme si tu avais déjà eu plusieurs opportunités, plusieurs demandes ou plusieurs invitations et que tu as un sentiment d'illégitimité, de ne pas te sentir suffisamment légitime. Est-ce que c'est de ne pas croire en toi ? Non, parce que je sens quand même une bonne confiance. C'est comme si tu avais une bonne dose de confiance, mais une petite couche au-dessus qui doute encore pour certaines choses. Et on t'appelle plutôt à « vas-y, lance-toi ». Lance-toi parce que c'est comme ça que tu verras ce que ça donne, autant pour les soins en eux-mêmes, pour les autres, que pour toi-même. Parce que dans ton énergie, je ressens que tu te poses la question pour les autres. Est-ce que je vais pouvoir apporter suffisamment pour les autres ? Est-ce que je vais apporter correctement pour les autres ? Mais là où tu oublies quelque chose, c'est que ça va t'apporter à toi aussi. Les guides me parlent surtout de ça. C'est que tu ne vois pas, Isabelle, tout ce que ça va t'apporter à toi. Tout à l'heure, je ne sais plus pour qui, désolée, vous me connaissez un petit peu, ma mémoire défaille et je ne me souviens pas des prénoms. J'ai parlé d'un cercle vertueux qui allait, voilà, plus tu vas pratiquer, plus tu vas faire, plus tu vas avoir le retour des gens, plus ça va t'amener la confiance, et plus tu as confiance, plus tu vas donner, et ça s'entretient, ça s'auto-nourrit. C'est ce même cercle-là pour toi aussi, Isabelle. Donc, alors c'est marrant parce qu'on me montre quelqu'un qui donne un grand coup de pied aux fesses, mais tellement fort que la personne est projetée beaucoup plus loin. Et c'est comme si, en fait, cette invitation, c'était vraiment un gros coup en disant « mais ce n'est pas la première fois qu'on t'invite à faire ça. Ce n'est pas la première fois qu'on met sur ton chemin des possibilités pour que tu puisses le faire. Mais tu n'as pas assez cru en toi. Tu voulais être sûr de toi ou tu avais besoin de te sentir plus légitime. Et là, maintenant, c'est le moment de bouger. C'est le moment de l'action. Donc, comme je disais tout à l'heure, on aura une émission probablement le mois prochain avec Christine Perlot sur principalement ce thème-là. De rentrer dans l'action, de se bouger, de faire quelque chose. Et c'est cette énergie-là que je ressens pour toi, Isabelle. Donc oui, franchement, vas-y, enfin, moi je le sens super bien, mais n'oublie pas que c'est dans les deux sens. Tu donnes et tu reçois aussi. Ok. Alors, Ascension Mio. Alors, tu me connais, puisque effectivement, je suis à Paris. Ouais. Tu me connais, mais qui est Ascension Mio ? Qui es-tu ? Oh, dis-moi qui es-tu derrière ce pseudo ? Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge en même temps, donc je suis une dragon. On va aller loin comme ça. Ouais. Petite récap pour nos amis facebookiens et Kien d'ailleurs.
Christelle ne fait pas les messages des guides. Il lui faut une question précise. Plus votre question sera précise, plus sa réponse sera précise. Et donc, ce soir, nous avons beaucoup, beaucoup de questions. D'habitude, elle les prend, mais enfin, s'il n'y a plus de questions, là, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de questions. Donc, je vous invite, parce qu'il y a quelqu'un qui est parti sur message des guides et tout le monde a fait la même chose sur Facebook. Ouais. Je vous invite à reformuler une vraie question pour Christelle. Et ce n'est pas dit que vous soyez pris, parce que de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup de questions avant vous. Mais je me dois de le dire. Tu as vu la réponse d'Isabelle ? Non. Je l'ai dit ? Vas-y, vas-y, ouais. Alors, Isabelle, donc à qui on vient de répondre, a dit « Merci beaucoup, tout ça me parle bien. Bisous à vous deux et au guide, bien sûr. » Nickel, Isabelle. Donc, vas-y, fonce. Alors, vous savez, je sais qui c'est. Je viens de voir. Oui. Non, mais Ascension Mio, je sais qui c'est. C'est Cyril. Pourquoi il m'a mis un pseudo de Mio ? Je ne peux pas le reconnaître. Ok. Tac. Il y en a trop. Hein. Eden Blond. Alors, Anthony Larousse. Tiens. Eden après. Il était avant. J'ai peut-être loupé. Hein. Tu as quoi ? Ouais, j'en ai peut-être loupé là. Il y en a trop. Alors, bonsoir à tous. Anthony, 39 ans. J'aimerais avoir un message de mes guides. Je travaille cette nuit. Ah, non, Anthony, pas de message. Oui. Attends, tu sais quoi ? Enfin, oui, non. Non, parce que je ne veux pas le faire si on a dit non plein d'autres. Non, non. Sinon, on le fait à tout le monde. Il faut se mouiller un minimum, quoi. En fait. C'est parce que c'est trop facile. Et comme justement, les guides nous poussent à dire « Regardez-vous, investissez-vous, croyez en vous et vivez et êtes là. » En fait, la question « est-ce que les guides ont un message pour moi ?» c'est un petit peu se cacher derrière un écran. Facile. Plutôt que de dire « Ok, voilà, je vis ça et qu'est-ce qu'il en est ?» C'est surtout que vous avez la chance d'avoir une médium gratuitement en direct qui peut répondre à une question précise. Ouais. Je trouve tellement… dommage de gâcher ce... Et puis, il y a des gens qui ont des questions précises, importantes pour eux. Donc, si vous n'avez qu'une question des guides, c'est que c'est moins important que quelqu'un... Je n'arrive pas à retrouver une question. J'ai vu une dame qui avait un problème avec sa... Ah, c'est Lévina, je crois. Je l'apprendrai tout à l'heure. Avec sa fille, ça, c'est important. Du coup, forcément, on va faire passer les questions avant. Et là, c'est Nadia qui dit « Bonsoir à vous deux et au guide. J'aimerais savoir si je vais déménager. » Et où ? Alors, si les guides, ils pouvaient faire GPS, ça m'arrangerait. Écoute, c'est très marrant parce que moi, un jour, on m'a donné ma future adresse. Mais oui, c'est possible, bien sûr. Par une canalisation, on disait voilà, et on commence la rue, c'était rue, marché, haut. Et en fait, mon mental est interrompu en disant, c'est débile, comme si les guides allaient me donner ma future adresse. Et donc, j'ai arrêté. Et puis, bon, ben voilà, et puis je continue. Et en fait, j'ai déménagé quelques temps plus tard. Je n'ai pas tilté à ce moment-là, mais effectivement, c'était rue, marché, haut, quelque chose. Et ce n'est qu'après que j'ai fait le lien en me disant, mais c'est dingue. Donc, voilà, et je dis ça parce qu'en fait, dès que j'ai lu la question, les guides me disent, on ne fera pas comme avec toi, on ne lui donnera pas l'adresse précise. Ah ouais. Écoute, moi, tu sais comment je les appelle ? Les GPS. Oui, oui. Alors, est-ce que tu vas déménager, Nadia ? Alors, c'est hyper confus parce que j'ai en même temps une énergie de non pas tout de suite et une énergie de oui en urgence. Sauf que dans notre ligne du temps, lequel se place à quel moment ? Tu vois, les deux sont peut-être pas incompatibles l'un avec l'autre. Est-ce que pour l'instant, c'est non pas tout de suite, mais quand le moment va arriver de déménager, que là, ça se passe en urgence. Parce que je reçois vraiment ces deux énergies-là. Je ressens vraiment qu'actuellement, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'urgence. Je vais essayer d'avoir un petit peu plus d'infos. On parle surtout des raisons du déménagement. Et que dépendant des raisons pour lesquelles tu veux déménager, ça t'amènera vers un chemin différent. Et que c'est pour ça que c'est important de bien se poser
et de prendre le temps. Moi, on me dit surtout de prendre le temps. Alors maintenant, prendre le temps, pour nous, pour les guides, ce n'est pas pareil. Hein. Quand je dis prendre le temps, l'énergie que je reçois, c'est une énergie de réflexion que moi, je traduis en prenant le temps. Vous voyez, il y a une nuance. Ce n'est pas les guides qui me disent non, qu'elles prennent son temps. C'est plus une réflexion et le fait d'être à l'écoute de soi et de voir, OK, pour quelles raisons tu souhaites déménager? Est-ce que ces raisons seront encore valables dans un mois ou dans 6 mois? Et est-ce que ce sont les véritables raisons pour lesquelles tu te poses la question actuellement de déménager? Alors, il y aura un déménagement, c'est certain, mais je ne le vois pas rapidement. Alors là, en fait, moi, j'ai mon mental qui intervient. Je sens que c'est moi qui bloque la canalisation parce que tout ce qui est question timing, de date, de données, de temps, je sais que là, c'est moi qui bloque. Donc, peut-être que si tu poses la question à une autre médium ou peut-être qu'Aline aura un autre ressenti qui viendra compléter tout ça. Mais là, je sais qu'en question de timing, de quand on va déménager, c'est moi qui bloque, en fait, dans ma canalisation. Excusez-moi, un petit coup de ventilateur, j'ai trop chaud. Donc voilà, Aline, si tu reçois quelque chose. Alors, tu es mal barrée avec moi parce que tous ceux qui ont fait des consultations, moi, quand je leur dis quelque chose, par exemple, j'ai vu avec une dame, un homme qui arrivait dans sa vie et je lui dis, oh là là, c'est peut-être pas pour maintenant parce que je suis une brêle au niveau du temps. Je lui dis, c'est pour plus tard. Il y avait comme un voile un peu, tu vois, devant. Je dis, oh là là, c'est pas pour maintenant. 3 semaines après, elle était avec. Et j'ai vu un changement de lieu, de maison et tout ça pour une personne. Et c'était hyper clair, j'avais l'impression que ça se ferait dans l'année, tu vois. Non, c'est arrivé 1 an et demi après, donc du coup. Oui, c'est ça, la notion du temps est très, très compliquée. Et je sais que moi, je bug. Dès qu'on parle de temps, je sais que ce n'est pas les guides qui donnent une mauvaise info ou quoi que ce soit, c'est moi qui bloque. J'aurais adoré t'aider, Nadia, mais au niveau du temps, je suis une grosse brêle. J'assume totalement, en fait. Donc, OK. Et elle est là, Lévina. En fait, je vais prendre la question de Lévina avec sa fille parce que, voilà, hein, solidarité maman. Oui. Qui disait, je voulais savoir si j'ai fait le bon choix de laisser ma fille vivre chez son père. Va-t-elle m'en vouloir? Alors, je vois quelque chose d'entremêlé comme ça. Tu vois, c'est comme une pelote de laine qui représente plusieurs nœuds, mais c'est très espacé. En général, quand c'est vraiment des gros problèmes, des gros nœuds, je vois une pelote de laine très serrée avec plein de nœuds. Là, ce n'est pas le cas, c'est beaucoup plus dégagé. Il y aura de l'incompréhension, mais momentanée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus tard, elle aura un autre regard. C'est probablement une question d'âge et de maturité pour comprendre les raisons pour lesquelles tu as fait ça. Et que... c'est comme si actuellement, elle n'était pas capable, dans le sens maturité, elle n'a pas le regard assez grand par rapport à l'âge, de comprendre tes motivations et tes raisons. Mais ça viendra plus tard. Elle le comprendra plus tard. Mais ça passe effectivement par cette petite pelote de laine, comme je te dis, des incompréhensions. Mais il y aura des non-dits, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle ne dit rien qu'elle n'en pensera pas moins. Donc, elle est beaucoup plus dans le ressenti. Moi, je ressens quelqu'un qui est assez observatrice, même si elle peut te balancer des trucs comme ça de temps en temps, les trucs en profondeur, en elle, celle-là, en fait, on me montre l'image de quelqu'un qui mâche longtemps avant d'avaler. Donc, moi, cette image, je la traduis comme étant, même si elle peut te balancer des trucs ou sortir des choses comme ça, pour d'autres, pour tout ce qui est profond en elle, elle va prendre le temps vraiment de l'observation, de l'analyse, avant de le recracher, entre guillemets, c'est-à-dire avant de l'exprimer, avant de le dire. Mais tu auras la possibilité de bien tout lui expliquer, mais au calme. Il ne faudra pas que ce soit entre deux portes. Et les guides me parlent surtout de tant que tu en as la possibilité, si tu peux lui faire savoir l'amour que tu as pour elle, peu importe les actions, les comportements, les raisons du pourquoi, etc. Tant que tu peux lui faire savoir l'amour que tu as pour elle, ce sera déjà un élément très, très important. Mais la compréhension vraiment viendra pour plus tard. Et
Et maintenant, avec le perse, alors moi, les guides me disent, c'est pas un mauvais bougre. Je ne peux pas le traduire autrement, donc je le dis tel quel. Il peut y avoir des inquiétudes de ta part, certaines sont légitimes, d'autres pas, parce que c'est ton cœur de maman qui parle. Donc c'est logique, évidemment, qu'on veut le meilleur pour nos enfants. Et c'est un acte, moi, on parle d'un acte ultime, c'est-à-dire que pour en arriver là, c'est ça l'acte ultime d'amour envers son enfant, c'est de se dire, écoute, oui, je veux pas, non, mais non, je veux pas l'exprimer comme ça. Les guides parlent surtout de dire, ne t'inquiète pas pour le mauvais choix ou le bon choix. C'est un choix qui est comme ça, et l'important, c'est qu'un jour, elle va comprendre, et un jour, vous pourrez en parler, et ce sera plus apaisé. Mais il faut que ta fille puisse vivre cette expérience-là et acquérir la maturité nécessaire pour pouvoir le comprendre. C'est surtout ça, en fait. Donc voilà pour toi, Lévina. Aline. Non, mais je parle dans ma barbe, alors ça va bien. Et moi, j'articulais simplement sans son. Ce Moi, qui je parle. change rien, Je suis en train de râler parce que je ne sais plus qui j'ai pris, pas pris. Alors, ok, ça c'est bon. Alors, mon monde à moi, bonsoir mesdames, bonsoir Oui, tu Cécile. as vu mon monde à moi, je la connais, un gros Alors, coucou. oui, elle dit juste bonsoir mesdames, c'est le nom qui m'a marqué. Hâte de raisonner avec vous deux. Merci Christelle pour ta présence. Eh bien, écoutez, si tu me le permets, Aline, j'aimerais faire une petite parenthèse parce que comme cette émission parle beaucoup du pouvoir de s'analyser, de se regarder, etc., et que mon monde à moi, en fait, est une amie très, très proche avec qui on parle beaucoup et on a ce fonctionnement entre nous. Donc, on se raconte nos vies, nos quotidiens, nos questions, nos inquiétudes. Voilà, vraiment comme on le ferait, comme vous, n'importe qui le fait avec un ami. Et je trouve ça génial parce qu'on est toutes les deux dans cette optique de dire, la vie est un miroir face à moi. Et donc, on s'utilise l'une l'autre pour voir ce que le miroir va nous apporter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à peu près, ouais. Ouais, ok. Donc, il faut que je sois un petit peu plus claire. En fait, je voulais dire ça pourquoi? Pour vous inviter à avoir des relations comme ça où vous pouvez parler ouvertement, franchement, sans se vexer, sans mal prendre quelque chose. Si l'autre personne, enfin, si vous vous sentez blessé, vexé par quelque chose et qu'on en parle à quelqu'un, c'est l'autre qui nous apporte la réponse. Moi, j'ai énormément ça avec mon monde à moi, où on fonctionne en miroir, soit on vit les mêmes choses en même temps. Et du coup, c'est génial parce qu'on partage nos ressentis toutes les deux, qui ne sont pas toujours le même. On ne vit pas toujours les choses de la même manière. Du coup, c'est très intéressant d'avoir la vision, le regard de l'autre et son avis. Donc voilà, enfin, je m'étais dit, c'est juste une petite parenthèse, comme on a beaucoup parlé aujourd'hui de mais reprenez votre pouvoir, voilà, c'est vous, votre envie, écoutez-vous. Vous pouvez aussi, alors utiliser, c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais vos amitiés en confidant quelqu'un de proche, évidemment, et de confiance, parce que ça aide aussi, notamment pour toutes les questions qu'on a vues tout à l'heure par rapport aux capacités, par rapport aux choix à faire, etc. Le fait de partager avec quelqu'un de très proche et de confiance, ça vous apporte d'office des réponses, tout en gardant votre propre pouvoir, mais ça vous apporte des réponses. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai ça avec Letty. Avec Letty, on se parle très cash. Quand j'ai un truc à lui dire, je lui dis, elle prend plus de pincettes parce qu'elle est vachement plus diplomate avec moi. Bien que, quoi qu'elle me dise, je me vexe jamais puisque je sais que c'est super bienveillant de sa part, tu vois. Donc, j'ai assez ça avec Letty, ouais. Après, c'est compliqué de trouver des gens. Oui, c'est Alors, ça. je pense que Vuc a le syndrome de Tourette. Vuc a le syndrome de Tourette. Il marque le couille. Et ça fait plusieurs fois que je le supprime. Tu le mets dehors par la porte, tu reviens par la fenêtre, le machin. Donc, du coup, oui, je comprends ce que tu as voulu dire par là. Ouais, je l'ai.
Je l'ai avec Letty. Attends, je cherche qui va passer à la casserole avec toi. Un peu d'humour dans ce monde beaucoup trop spirituel. Il vaut mieux. Ah oui. Alors, je vais essayer de trouver, pardon, hein, je vais être sélective parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions où vous nous demandez, est-ce que je vais quitter mon conjoint ? Est-ce que je vais... Ce sont vos propres décisions, c'est votre propre pouvoir, on en revient. On ne peut pas vous dire oui ou non. Vous comprenez que ça a un impact incroyable. Si je vous dis oui et que votre conjoint va se suicider, ce n'est pas ma faute, c'est la faute d'Aline. Vous déchargez de toute responsabilité en nous confiant vos décisions. Ça m'est arrivé avec une nana qui avait un salon de coiffeur et qui m'a dit « Est-ce que je dois virer ma coiffeuse ?» Mais quelle horreur ! J'espère que tu n'es pas en train de me demander de prendre une décision pour toi. Parce que là, on ne va pas être copines, toi et moi, tu vois. Arrêtez de remettre votre pouvoir. Si vous posez la question, c'est soit vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, prenez la décision, vous restez ou vous partez. Mais ne nous remettez pas à nous ce pouvoir-là, c'est horrible. Maintenant, j'ai déjà une réponse à ce genre de questions. J'ai une dame qui me demandait un petit peu ce genre de questions. Voilà, je voudrais avoir un enfant et donc est-ce que c'est bien pour notre couple et à l'avenir, etc. J'ai commencé par lui dire, mais ça c'est votre... parce qu'on parlait de mariage, etc. J'ai dit, mais je commence par la même chose en disant, mais c'est votre décision, c'est votre avenir, ce ne sont pas les guides qui vont vous dire, oui, vous pouvez l'épouser, non, il ne faut pas l'épouser, ou oui ou non, il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. En revanche, les guides m'ont donné la vie qu'elle aurait si elle se mariait et si elle avait un enfant avec lui. Et j'ai été très surprise parce que, bon, d'abord, ce genre de truc aussi précis, c'est quand même assez rare, parce que là, c'est vraiment, on arrive sur le libre arbitre et le fameux choix. Après, j'ai compris pourquoi les guides m'ont expliqué ça. Quand ils ont dépeint la vie qu'elle aurait, donc en me dépeignant le caractère, le comportement de son petit ami, puisqu'ils n'étaient pas encore mariés, de la future belle-mère, la maman de son petit ami, etc. Elle me dit, oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai bien écouté. Donc voilà, il y aurait ça, ça, ça. Et avec la réponse des guides, moi, j'étais super embêtée en disant, mais avec une réponse des guides comme ça, tu ne te maries pas, quoi. Si on te dit, c'est ça qui vous attend, si vous vous mariez, si vous avez un enfant avec cet homme-là, voilà ce qui va se passer. Et du coup, moi, j'étais... mon mental n'était vraiment pas bien en me disant, ok, j'ai donné le message des guides parce que c'était tellement sûr et fort et voilà, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais après la consultation, je suis revenue vers mes guides en me disant, mais ça me dérangeait un petit peu, tu vois. Parce que je me dis, mais avec une réponse comme ça, évidemment qu'on le prend en compte dans sa décision de oui ou non épouser la personne. J'ai dit, donc, est-ce qu'on n'entrave pas un petit peu le libre arbitre? Et là, le guide m'a répondu, mais pour cette personne-là, hein, il m'a répondu, il fallait qu'elle sache à quoi elle s'engage. Après ça, elle en fait quand même ce qu'elle veut. Mais au moins, elle aura été avertie, elle aura fait en connaissance de cause. Alors moi, j'ai eu ça pour mon ex. On se séparait et je lui dis en partant, tu vas rencontrer une femme plus jeune qui va te demander un troisième enfant puisqu'il en avait déjà deux grands. J'ai dit, tu vas avoir le choix. Soit tu ne le fais pas et tu vis la meilleure deuxième partie de ta vie en voyageant avec ton travail. Et effectivement, quand on s'est séparés, il a commencé à partir à l'étranger et tout ça. Soit tu le fais et ce sera pour de mauvaises raisons. Et là, tu vas gâcher la deuxième meilleure partie de ta vie. Mmh. Et en fait, 3 ans après, effectivement, elle lui a demandé, il a rencontré une femme plus jeune, je crois, un an après. Elle lui a demandé un enfant, il a fait un enfant et il en est exactement là où je lui ai dit. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça, mais on l'a averti en fait. Je pense que c'est un avertissement. Oui, tu as le choix. Tu as le choix de le faire ou pas, mais tu auras ça. Ouais, et du coup, c'est dingue, quoi. Quand ils font ça, c'est pas souvent, mais quand ils le font, c'est dingue, quoi. Mm. Donc, ok, c'est reparti, mon kikiche. Je sais pas où j'en étais. Alors, oui, j'ai vu une... Désolée, j'ai été coupée. Oui, j'ai vu.
Ah, parce que du coup, retrouver. Je ne sais pas quoi prendre. Si tu en vois un qui te plaît, vas-y, aide-moi parce que là, je suis. J'ai ici Géraldine. Je l'ai vu passer. Je ne sais pas si tu vois. Non. 21h42 sur Facebook. Enfin, dans les commentaires sur notre plateforme StreamYard. Je suis déjà trop haut, en fait. Géraldine, 21h42. Géraldine. Son message est en double. Alors, c'est fou que tu me le prennes, celui-là, parce que tout à l'heure, je me suis dit, il faut que je le prenne. Parfait. Ah ben voilà. Géraldine, bonsoir. J'entends les conseils de mes proches. Oui. Ouais. Mais mon quotidien est lourd, car je n'arrive pas à garder ma stabilité et ma force pour vivre plus sereinement. Comment me renforcer? Alors, là, je fais vraiment juste... C'est pas comment te renforcer. Les guides me disent déjà, la question, c'est pas comment te renforcer. On comprend que toi, tu le vois comme ça. Mais je reprends. Donc, j'entends les conseils de mes proches, mais mon quotidien est lourd. Oui, ça, c'est clair. Je n'arrive pas à garder ma stabilité et ma force pour vivre plus sereinement. Comment me renforcer? Alors, OK, je comprends. En fait, quand je lis ma force pour vivre plus sereinement, il y a pas mal de ce que j'appelle du parasitage, c'est-à-dire que tu prends ta force pour d'autres, pour épauler d'autres personnes, pour être là pour d'autres personnes. Et on vient quand même un petit peu t'épuiser aussi dans ces forces-là dont tu parles. Ce qui m'interpelle, moi, c'est le double sens de comment me renforcer. Parce que les guides me disent, ce n'est pas la bonne question, entre guillemets, dans le sens... Ce n'est pas un besoin de te renforcer, c'est un besoin de te respecter. Et donc, plus tu vas te respecter toi, ce que tu ressens, à nouveau, comme on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce que toi tu veux, comment ça c'est en toi, et est-ce que tu t'écoutes ou pas, et est-ce que tu le respectes ou pas, ou est-ce que tu t'aplatis pour le bien-être des autres, tu t'épuises pour le bien-être des autres. Alors, de temps en temps, tu peux pousser un petit coup de gueule pour dire, voilà, je ne suis pas d'accord, etc. Mais il y a la communication aussi. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Moi, les guides me parlent surtout de, c'est pas se renforcer, c'est comment te respecter tout en respectant les autres. Et ce n'est pas une question, tu parlais de stabilité, parce que là, on me dit, et alors? Si tu n'arrives pas à garder ta stabilité et que tu la poses en problème, c'est par rapport à des croyances que tu as. Donc, ça peut être autant positif. Là, ça ne va plus. Ah oui, vous me voyez, vous m'entendez. OK, c'est bon. Donc, c'est autant positif que négatif. Mais si toi, tu dis « je n'arrive pas à garder ma stabilité », c'est que ça te pose un problème. Donc, va chercher, OK, pourquoi? Quelle est la stabilité que toi, tu veux obtenir? Quel est ton objectif, le but que tu veux atteindre dans cette stabilité et de la manière dont toi, tu as défini, c'est quoi la stabilité? Est-ce que c'est habiter au même endroit? Est-ce que c'est rester avec la même personne pendant des années? Est-ce que c'est une question de travail et de longévité? Est-ce que c'est... Voilà, tu vois, il faut voir qu'est-ce que toi, tu mets dans le mot « stabilité ». Parce que dans la personne que tu es, tu es stable et cohérente avec toi-même. Sauf que ça ne matche pas toujours avec l'entourage et la vision des autres. Mais à nouveau, les guides me parlent beaucoup plus de respecter plutôt que de te renforcer. Et maintenant, je vais voir de l'autre côté. Est-ce que quand toi, tu poses la question « comment me renforcer ?», je le sens dans… Comment me rendre plus dur? Alors, ce serait intéressant que je sache si ta question est dans ce sens-là, parce que je ressens un truc. Comment me renforcer pour tenir le coup, pour tenir le choc, pour avoir plus de force? Ben, comment déjà par pas te laisser épuiser par les autres? Parce que là, le début de la réponse, c'était ce parasitage et le fait d'être épuisé par les autres, et tu donnes, et tu donnes, et tu fais, et tu fais. À quel moment est-ce que toi, tu vas dire... Stop, ça ne me convient pas. Même si tu le dis gentiment,
T'es pas obligé d'envoyer péter les gens ou de le dire agressivement ou de rentrer dans des colères ou des trucs à l'extrême, mais d'avoir vraiment une conversation apaisée et calme avec quelqu'un en disant, écoute, voilà, j'arrive au bout de mes forces ou ça, je n'en peux plus, ça ne va plus. Et je sens plus, tu vois, j'ai l'image d'une batterie. Ta batterie est pleine et puis elle se décharge. À toi de gérer, de reprendre du repos pour recharger tes batteries. Ou quand tu donnes, enfin, tu vois, à toi de gérer ça. Si à un moment donné, tu arrives à la batterie presque plate, agis. Agis en fonction de ce qui se passe. Donc, soit tu prends du repos si c'est du repos dont tu as besoin, soit tu mets des limites aux personnes en disant, bon, à côté, stop, pour l'instant, j'ai vraiment besoin de recharger mes batteries parce que sinon, je vais péter un plomb et ça ne va pas nous aider dans nos relations. Donc vois plutôt ce genre de truc. Si tu as quelque chose, Aline, n'hésite pas. Hein. Non. J'ai à peu près comme toi, donc après, je ne vais pas répéter derrière, mais il y a une question de… Elle s'éparpille, en fait. Elle n'écoute pas. C'est quelqu'un qui a du mal à… Elle me fait penser un peu à quelqu'un… comment on appelle ça ? Ces gens qui ont cette maladie qui est très, très difficile à diagnostiquer, qui n'est pas grave en soi, mais qui ne permet pas aux gens… C'est pas le TDAH ou un truc du genre ? Il y a les dyslexiques, il y a les… Ah oui. Dysphasiques. Et en fait, les dysphasiques, ils ont un peu cette tendance un peu à s'éparpiller. On a beau leur parler, j'en ai une dans mon proche entourage, on a beau leur donner un conseil, ils entendent la moitié des choses, ils s'épuisent. Et très souvent, ils sont épuisés. Voilà, il y a quelque chose à cet ordre-là, comme si elle se perdait en cours de chemin, mais je n'ai pas grand-chose en fait. Oui, non, mais du coup, c'est ça qui amène à l'épuisement et la demande de se renforcer en disant « j'en peux plus », quoi. Je crois que là, elle te cherche. Oui. Tu es déjà mariée, mon monde à moi. On s'en fout, elle a raison, vive la polygamie, quoi. On est spirituel ou pas, après tout? Elle est mariée avec un corps et là, elle va se marier avec une âme. Voilà. Ouais. Voilà. Là, est-ce que tu l'entends, la polygame en moi, parler ? Non. Alors, Balnad, je ne répondrai pas à ta question, tout simplement parce que, pas parce que je ne veux pas, mais parce que, pour moins que ça, je la mets à l'écran quand même, pour moins que ça, certaines chaînes ont fermé. Et donc, je m'interdis de parler politique et donc ton fameux poison. C'est interdit. Les intervenants ne peuvent pas en parler parce qu'en fait, maintenant, ils ferment toutes les chaînes pour moins que ça, en fait. Enfin, je pense que tu sais. Et j'espère que non, pour te répondre, j'espère bien que non. Voilà. Alors, hop, on va sur un YouTube. Merci beaucoup, tout ça me parle. Sophie, moi j'ai demandé un mariage, mais non, j'ai jamais répondu. Ah, les guides. Christelle, c'est fait. Ah, d'accord. Oh, putain, mais des YouTube, ça y est, oh, non, il n'y a que des Facebook. Lucie. Alors, Lucie, du coup, elle avait un bug. Suite à un message, après une année remplie de changements, une séparation, divorce très violente, mise de la maison en vente, et maintenant, des messages pour passer à une autre étape de ma vie. Alors déjà, un beau coucou et plein de bisous, Lucie. On s'est parlé en consultation. D'accord. Eh ben, tu sais quoi, pardon ? Elle a quelque chose de très positif. Elle est solaire. Moi, je me souviens pas de beaucoup des consultations, de mes rendez-vous et des noms, mais alors, Lucie Mbagué, je m'en souviens. Elle a quelque chose vraiment de très dans son énergie. Oui. Je prends un coup de super positif. Prendre l'amour en container. D'accord, ok. Ah oui, non, c'est une consultation qui m'a énormément marquée et que j'ai adorée. Et je lui ai dit en disant, waouh, mais l'amour qu'on reçoit, et quand tu es en contact avec son énergie, j'adore. Donc déjà, coucou Lucie. Et
Et donc, je vais voir des messages pour passer à une autre étape de ta vie. Alors, j'essaye de rester vraiment sur les guides et pas dans notre consultation passée, mais d'être là dans le maintenant. Alors, j'ai des trucs, en fait, tu vois, j'ai l'image de boulets aux pieds qui ont été détachés. Je ne suis pas en train de dire que ton mari était un boulet aux pieds, que voilà, c'est pas du tout ça. C'est l'image que je reçois. Mais il se fait que par le divorce, la maison, etc., moi, on me montre des freins qui ont été enlevés, comme des nuages gris, en fait, qui étaient un petit peu au-dessus de ta tête et dont tu as pu te délier et qui étaient nécessaires pour ton énergie. C'est fou parce que, excuse-moi, je vais vraiment me recentrer, je suis tellement en train de me rappeler notre consultation et l'énergie que j'avais de toi. C'est étonnant que j'ai pas plus d'infos pour toi, mais j'ai plus l'énergie de tu peux le faire par toi-même, tu vois, que tu sais par toi-même et que malheureusement tout ce que je pourrais dire ou ce que je pourrais transmettre de la part des guides aurait une influence. Alors c'est comique parce que pas une influence, c'est pas le mot exact, mais serait un ingrédient. Tu vois, je te vois en train de faire une recette et c'est ta recette. C'est la recette Lucie qui est excellente comme ça et il faut la faire. Et si moi, je viens ajouter quelque chose, on me montre une recette dans laquelle je viens saupoudrer du poivre ou du paprika dans une recette qui n'a absolument pas besoin de poivre ou de paprika. Et du coup, c'est pour ça qu'on m'explique, écoute, t'auras pas autant que ce qu'on a pu avoir en consultation. Parce que là, c'est un point clé, en fait. On me montre vraiment un tournant en me disant, c'est toi là, au centre de ce tournant, à t'écouter toi. C'est fou, j'ai toujours la même énergie. C'est le mental qui va négocier tout ça, tu vois. Le mental qui va se dire, mais pourquoi, etc. Mais toi, la hauteur, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de niveau, mais la hauteur de qui tu es, elle n'a pas changé. Tu n'es pas amoindri. Tu as traversé des moments durs, vraiment pas faciles. Moi, on me montre une tempête. Tu vois, vraiment une grosse tempête avec des orages et de la pluie. Et voilà, et vraiment, et tu rames dans le sens, enfin, c'est chaud, c'est compliqué. Tu vois, je te vois avec un sac à dos sous la pluie en pleine forêt où enfin il faut persévérer parce que tu es toute seule et tu ne peux compter que sur toi-même. Et je te vois dans ce truc-là et les guides me disent « ta valeur n'a pas diminué pour autant. La valeur de qui tu es n'est pas amoindrie. » Et je n'aurai pas plus d'infos. Écoute, Lucie, n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu veux parce que… non, je reste un autre message. Je t'avoue que j'avais espéré avoir un peu plus d'infos, à nouveau, mon mental, mon côté humain, où voilà, j'aurais voulu avoir beaucoup plus d'infos à te dire, mais les guides me disent qu'il n'y aura pas plus. Donc voilà, Aline. Ok. Alors moi, par contre, on lui demande de prendre du temps. Prendre le temps, il y a ce qu'elle montre et il y a ce qu'elle cache. Et c'est marrant, c'est comme si on me montrait dans le... La nuit, tout est permis, c'est-à-dire que dans le noir, les larmes coulent, en fait. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. On lui demande, là, vraiment, c'est un temps de penser ses blessures et d'accueillir. Parce qu'elle a ce côté guerrière, si tu veux. Tu vois, elle a un côté... elle tient la route. La route. Mais elle tient la route au détriment de son corps, au détriment de son énergie. Et du coup, on lui demande vraiment d'accueillir toutes ses blessures et de pleurer, de se laisser, d'accueillir tout ça. Et on lui parle de temps. Il faut du temps. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui. Donc, pour une raison que j'ignore, j'ai vraiment quelque chose à cet ordre-là.
Mais il y a vraiment quelque chose, une vague énergétique. Moi, on me montre un tsunami qui arrive, qui va lui permettre de rebondir. Ça va la faire évoluer. Ça va être inconfortable un temps, mais ça va lui permettre de passer à une étape supérieure, même dans ses capacités, en fait. Mais prendre le temps de digérer d'abord tout ça. Peut-être, ouais, il y a quelque chose, le temps. Et surtout, d'accueillir ces larmes qu'elle essaye de cacher, parce qu'elle montre que tout va bien, mais en fait, ce n'est pas la solution. En fait, tu vois, c'est comme si on lui disait d'accueillir. Ça a été très douloureux, ben, accueille tout ça. Et tu as le droit, en fait, d'accueillir toute cette... tous ces changements, j'allais dire un petit gros mot. Voilà, alors ensuite, alors attends, je rêve ou il a bloqué le truc? Alors ça c'est, alors, ah oui, c'est Géraldine, c'est Gégé. C'est Gégé, oui. La fille qui atterrit, bonjour Aline, mon corps est avec vous, mon esprit est ailleurs. C'est pas grave, tu regarderas le replay et peut-être que ça passera mieux demain. Non mais moi je te jure, des fois je me demande, mais qui m'habite? Alors Lucie c'est ok. Ben après moi j'ai Ascension Mio, à Cyril. Qui dit bonsoir Christelle. De fausse Cyril, pour me bouger, amorcer la roue que je stagne beaucoup et je suis attirée partout. Quel travail dois-je commencer? Non. Non, je ne veux pas la fesser. Et pourtant, tu vas la voir. Désolée. Mais ce n'est pas moi qui vais te la mettre. Ah non. Écoute, même chose. Par quel travail dois-je commencer? Les guides me disent, on répète la même chose, alors je ne sais plus pour qui c'était, parce que je n'ai pas noté le prénom. Mais par quoi dois-je commencer? Par ce qui te fait vibrer le plus, par ce qui te parle le plus, ce que tu préfères. Par là, regarde les différents choix. Pèse le pour le contre si tu as envie de faire intervenir le mental, parce que comme je le disais également, on est dans un monde matériel et donc il y a des questions matérielles qui peuvent entrer en ligne de compte aussi. Mais pour le reste... fais comme tu le sens, fais comme tu as envie. Je vais voir s'il y a d'autres choses. Hein, parce que donc là, j'ai répété la même chose qu'on a eue tout à l'heure. Mais qu'est-ce que les guides ont à te dire donc pour toi, Cyril? Même chose, oui, c'est la même chose. C'est écoute-toi et fais ce qui te fait kiffer, ce qui te donne envie, ce qui te donne de la satisfaction, ce qui te donne de la joie. Là où tu as envie de t'éclater, ben vas-y, fais-le. Si tu fais quelque chose avec les pieds de plomb ou avec trop de questions ou trop de mental ou trop de doutes, mets sur pause ou essaye d'être beaucoup plus à l'écoute de comment ton corps vibre avec ça plutôt que ton esprit avec le mental. Et c'était quoi? Amorcer la roue que je stagne beaucoup et suis attirée partout. Oui, pose-toi juste la question, ok, qu'est-ce qui me fait le plus kiffer? De quoi j'ai envie le plus? Si je devais attribuer une note de 0 à 10 à chaque sujet, à chaque thème ou à chaque domaine, eh bien, je ferais quoi? Bah, tel domaine, je lui donne, ah ouais, quand même 8 sur 10. Celui-là, plutôt 6 ou 7. Celui-là, bah, 5, voilà. Si tu as besoin de passer par le mental pour essayer de découvrir lequel tu as le plus envie, ça peut être une méthode. Ou de faire une sorte de calendrier. Je vais essayer ça et puis voir ce que ça donne. Et puis, si ça ne va pas ou si je ne m'amuse pas dans ce truc-là, ben je ferai autre chose. On me montre quelque chose, tu vois, de très variable. Tu peux très bien commencer à fond, te mettre à fond dans quelque chose et finalement te dire « ah ben non ». Et ne pas aller jusqu'au bout. Et puis, hop, tu refais autre chose. Même chose, je vais voir. C'est vraiment par curiosité, tu te lances. Le tout, c'est juste de faire le premier pas. Tu te lances et tu vois ce que ça donne. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu adores, tu as vraiment de l'excitation, de la joie à le faire. Ou c'est moyen, ou c'est plutôt vachement plus faible. Et vois comment ça te parle. Tout ça pour Cyril.
On était en formation passeur d'âme cet après-midi, ce matin, ensemble, en fait. Et je lui ai bien dit, reprends ton pouvoir. Hein, parce qu'en plus, il y a du transgénérationnel derrière, hein, sur la remise de pouvoir. Et je lui ai dit, reprends ton pouvoir. Et ben non. Qui c'est qui est sur le chat a posé une question con? C'est mon pépère. Hein? Donc, j'ai dit, peut-être avec Christelle, ça va marcher, on ne sait jamais. Mais non. Alors attends, après je te fais un messenger vocal, c'est vrai qu'au vocal ça va beaucoup mieux. Non mais après, je comprends que tu sois perdu parce qu'on est tous un peu perdus, mais pourquoi vous voulez toujours choisir une chose? Commence par ce que tu veux et vois si ça te fait vibrer ou pas. Et ça ne te fait pas vibrer, eh ben, n'est pas pour te tromper, c'est en te trompant que tu vas comprendre comment tu fonctionnes et tu te tromperas de moins en moins. Pourquoi vous avez peur de vous tromper? C'est grâce à nos ex pourris qu'aujourd'hui on fait les meilleurs choix. Donc c'est fonctionner pour tout comme ça dans la vie, c'est grâce à vous. C'est pas, on se trompe pas, on apprend. Quand vous comprendrez que la notion d'avoir peur de se tromper, c'est tronqué et ça vous bloque et vous limite. Par contre, quand on y va et qu'on se dit ok, alors ça c'est pas du tout pour moi, vous avez appris quelque chose sur vous. Vous n'aimez pas ce genre de choses et donc tout ce qui va y ressembler de près ou de loin, comme nos ex, on va dire non, merci non. Voilà. Donc, c'est tout simplement comme ça qu'on fait des choix. Pourquoi vous avez l'art et la manière de vous triturer la neurone pour ce genre de choses? Tentez. Si ça vous dit, ben tentez. Si vous vous plantez, c'est pas grave. C'est en se plantant qu'on devient une belle fleur. Hein. Tu sais, l'image que j'ai pour Cyril, c'est il est à l'entrée d'une fête foraine avec plein d'attractions, d'activités et il est en train de se demander... Je vais faire quoi? Et il est en train de se demander quelle attraction je préfère. Mais il n'a pas été sur toutes les attractions. Et donc, il voit le Grand 8, les montagnes russes, il voit le tir à l'arc, il voit tel jeu, il voit, voilà, et il voit tous les trucs. Et entre guillemets, il perd son temps à être là à l'entrée de la fête foraine, à se demander je vais faire quoi? Quel est mon truc préféré? Et en fait, tu as le portier qui lui dit mais va, essaye et tu verras bien. Ben oui, c'est ça. Fais-les toutes et tu verras bien laquelle est ta préférée. Et après, il y en a que tu vas aimer, il y en a que tu ne vas pas aimer. Et, ouais. Et après, tu sauras bien que ben, ce jour-là, tu n'aimes pas et ce jour-là, tu adores. Et c'est pareil, comme, c'est grâce à nos ex que l'on apprend à différencier ce que l'on aime ou pas. Et ben, faites pareil pour toutes vos passions, pour votre travail, pour tout. Allez-y, dites-vous, ok, ben, j'expérimente et puis je vois. Et si ça ne me correspond pas, ben, à l'avenir, je saurai que ceci ne me correspond pas. Mais vous avez tellement peur de vous planter que du coup, vous êtes figé et vous ne bougez pas vos fesses, en fait. C'est, voilà, je suis là et j'attends un message des guides qui me disent, vous mettez à l'extérieur de vous votre propre pouvoir, votre propre baguette magique, alors que la magie, c'est vous. C'est vous la baguette magique et vous ne l'avez pas compris. Vous attendez un message des guides, c'est terrible quand même. Alors oui, il y a des messages qui vont, bien sûr, on va vous orienter, mais là, en fait, là, tout à l'heure, j'ai vu, est-ce que je vais quitter le père de mon enfant? C'est terrible. Oui, parce que c'est son choix à elle, à personne d'autre. Oui, en fait. Donc, oui. Du coup, quelqu'un qui te tire les cartes va te dire oui et non. Moi, je ne prendrai pas cette responsabilité-là, tu vois. Oui. Parce que c'est ta responsabilité. Quand j'ai quitté le père de mon enfant, c'était, je l'ai demandé à personne d'autre qu'à moi. Je suis allée chercher à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je dois faire, en fait? Comment je vibre avec cet homme-là aujourd'hui? Ben, je ne vibrerai plus, en fait. Donc, je suis partie. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je vais te dire comment tu vibres avec le père de ton enfant. Ben, je ne vibre plus. Ou alors, ben, je l'aime tellement, mais lui ne m'aime plus. Est-ce que tu pleures plus que ce que tu ris? Oui. Alors, même si tu l'aimes, va-t'en. Parce que l'amour, ça ne fait pas pleurer. On n'est pas toujours d'accord. Mais si on pleure plus que ce qu'on rit, c'est plus de l'amour. C'est comme ça. Ça reste un choix vraiment à chacun. Mais oui, c'est très personnel. Et les deux personnes concernées, c'est tout. C'est très personnel. Vous demandez au guide de prendre des décisions à votre place. Quoi. C'est terrible, en fait. Ah ben, on peut demander tant qu'on veut au guide de prendre des décisions à notre place, sauf qu'ils ne le feront jamais. Ils peuvent nous guider, donner des indications, faire référence à nous-mêmes, mais pas donner une réponse de oui ou non, ou quitte-le ou reste-le. Reste-le. Reste avec lui. C'est ça. Ouais. Alors, là, j'ai Frédéric qui est à Pomme. Ça va changer un peu, qui dit « Chère Aline, chère Christelle, cher Frédéric,
J'aimerais bien un message pour débloquer la situation sur le plan sentimental. En procédure de divorce depuis 2 ans, je n'arrive pas à rencontrer un amour véritable. Ah. Écoute, moi, je vois un lien énergétique. Ce n'est pas toujours le cas. Mais je vois un lien énergétique qui pèse encore par rapport au divorce et que tant qu'il n'est pas prononcé, finalisé, digéré et accepté, c'est ça qui peut bloquer. Ça ne veut pas dire que ça t'empêche de rencontrer quelqu'un. Tu peux à tout moment rencontrer quelqu'un. Mais tant que tu n'auras pas coupé vraiment ce lien, quand je dis couper ce lien, c'est OK, je suis divorcée, c'est acté dans la matière, on a le jugement, c'est fait, c'est entériné. Et OK, c'est comme ça. Et maintenant, je vais de l'avant. C'est ça que je veux dire. Tant que tu n'auras pas passé cette étape-là, tu pourras rencontrer, oui, des gens et des amours ou des amourettes, mais qui ne seront pas vrais, qui ne seront pas profonds, qui ne seront pas 100% sincères, honnêtes et vrais. Il faut que tu aies toi-même, en fait, c'est une question d'être libéré. C'est vraiment de se sentir allégé. Oui, c'est vraiment ça. C'est, tu sais, tu veux aller d'un endroit à un autre, tu ne peux pas en même temps rester un pied dans la situation et d'avoir l'autre pied déjà dans l'autre. Tu vois, à un moment donné, tu fais plusieurs pas pour passer d'un état à l'autre. Tu souris, Aline? Ah, c'est ouf, j'ai la même image que toi. En fait, tu sais quelle image il me donne? Elle a la main, c'est ça, c'est quand quelqu'un ne veut pas lâcher son passé. Elle a la main sur une porte qui est la porte du passé entrouverte. Elle veut atteindre la porte du futur, C'est mais ça, mais c'est elle veut pas lâcher cette porte, elle a les bras trop courts. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? exactement, Il faut c'est qu'elle ça. accepte de fermer définitivement cette porte et c'est marrant, on me parle de chat. De chat qui pense ses blessures. Je ne sais pas pourquoi de chat, Frédéric, il ne manque pas. Mais parfois, je n'ai pas la lumière à tous les étages non plus. Hein. Et il faut qu'elle lâche la porte du passé pour pouvoir déjà être là dans ce moment présent et s'accueillir elle-même pour aller vers son futur. C'est fou, j'ai la même image que toi, ça m'a fait Oui. délirer. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, je t'invite à prendre le temps de vraiment bien digérer ce truc-là, de bien accepter le divorce, et après coup, il y aura un amour sincère, honnête, véritable. Mais il faut que tu le sois aussi. Donc, de prendre le temps, oui. Attends, hop, je regarde. Ah ben voilà. J'adore le cher Frédéric. Ben oui. Et moi, j'ai trouvé ça tellement chouette que tu nous appelles chère Aline, chère Christelle, c'est tellement rare. Elle dit, bon, ben j'en ai encore pour un moment, au moins 1 an dans mon ressenti. Oui, tu vois, tu es consciente quand même, c'est super. Mon animal est la panthère. Bon, je voyais un chat noir, donc c'est top. Ça doit être une panthère noire qui pense ses blessures, tu vois. Donc, du coup, prends le temps de fermer cette porte du passé et tu vas pouvoir aller vers ton futur. Ça va arriver, hein, mais ça dépend que de toi et du temps que tu mettras à fermer cette parenthèse. Tu t'envoies un, vas-y, hein, prends-le, hein. Je suis morte de rire de ne pas avoir reconnu Géraldine GG, s'il te plaît. J'hallucine quand je vois son commentaire, j'hallucine encore. Alors attends, tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais de se tromper et qu'en fait on ne se trompe pas, Ouais. tu as mon monde à moi qui répond, se tromper est humain, mais continuer comme une mouche sur un carreau. Là, oui, c'est L'image, je viens de voir la mouche en fait. Merci, mon monde à Mazo. moi. J'adore. C'est super. Alors, toc toc. C'est marrant, je retombe toujours sur les mêmes. Ben, je retombe toujours sur les mêmes là. T'en as toi ou pas? Après, il y a beaucoup de guides. Alors, ben là, je vois la question de l'or en soi à 22h16. Je ne sais pas si tu la vois. 22h16, j'y suis pas, attends. C'était YouTube. Mais à nouveau, enfin, la réponse va être aussi cash que toutes les autres en disant, mais enfin, elle remet chez nous. En fait, la question, oui, voilà, c'est ça. Oui. Ah, il y a Eden Blue aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut que je la passe. Oui. Alors, comment avancer encore dans mes soins et amplifier mes capacités?
Dois-je faire des méditations? Quelle est ma spécialité et quelle est ma famille d'âme? Et sinon, tu as encore des questions parce qu'on peut y passer la nuit. Ça. Laure, en soi, aujourd'hui, tu es en forme, non? Bah déjà, alors, dois-je faire des méditations? Il n'y a personne qui te dit que tu dois ou que tu ne dois pas. Est-ce que ça La te plaît ou méditation, pas? chacun. Parce que Il y a des... si je te dis oui et que Christelle te dit oui, fais des méditations et que ça ne te plaît pas, tu vas pas kiffer, tu vas pas vibrer, tu vas pas aller bien loin. Exactement. Exactement. Et puis ça ne correspond pas à tout le monde, hein. Bah non, pas à Il y a moi. des personnes qui n'aiment pas, ou voilà, la méditation, ce n'est pas leur truc, ben ce n'est pas grave, on fait autre chose. Moi, je ne médite pas souvent, mais par contre, j'ai trouvé quelque chose qui me permet de compenser la méditation, c'est mes tableaux. Quand je fais mes tableaux à la feuille d'or, d'argent et de cuivre, c'est tellement minutieux que ça me demande une attention très particulière. Et j'ai vraiment l'impression, quand j'ai fini, de sortir d'un état méditatif, en Oui, fait. parce que c'est un peu le même état de conscience, hein, quand tu te concentres comme ça, les mandalas, c'est pareil, c'est la même chose. Là aussi, c'est comme la méditation. C'est Ouais. ça. Maintenant, pour amplifier tes capacités, on va faire référence, je pense qu'on l'a déjà dit deux ou trois fois dans cette émission, c'est voilà, sois beaucoup plus à l'écoute. Tu sais, quand on a parlé tout à l'heure de dire, nous, on découvre petit à petit comment ça se passe au fur et à mesure de notre parcours, on n'est pas dans un... quelque chose de mental et de travailler pour dire qu'est-ce que je vais faire pour augmenter mes capacités. Ça dépend d'un état d'être. Là, on parle de faire. Qu'est-ce que je peux faire pour amplifier mes capacités? Amplifier, c'est faire. Alors que mes capacités, c'est être. Donc, sois tout simplement, plutôt que de faire. Exactement, c'est exactement ça. Après, on me montre quand même quelqu'un qui a un mental qui tu turbines beaucoup, beaucoup, hein, mais elles sont là en fait. Hein, alors en soi, je ne sais pas ce que tu vois pas parce que tu es quand même quelqu'un hein, qui a un joli canal ouvert. Donc, laisse, accueille et arrête de contrôler, comme si contrôler te rassurait, ça te permettait de. En tout cas, tu as l'impression que ça te permet de. Ça te rassure. Alors que ça te. C'est le contraire. Voilà. Laisse venir tranquille. Quelle est Et par ma. contre, quelle famille d'âme j'appartiens, moi je. Non. À toi, en fait, hein, déjà. Tu t'appartiens à toi, déjà. Et tu le sauras en faisant tes propres recherches. Qu'est-ce qui t'attire? Quel genre de famille d'âme t'attire le plus? Est-ce que tu es une famille d'âme de guérisseur? Est-ce que tu es une famille d'âme d'enseignant? Qu'est-ce que toi, plutôt que de nous demander à nous, alors qu'on peut se tromper parce qu'on a un mental égo humain, hein, pourquoi ne pas aller chercher la réponse toi et affiner tes capacités en allant chercher ce qui vibre en toi pour toi? C'est bon? Je vois une question. Oui, pardon. Alors, ouais. Je vois une question. Il y a Oui. Eden Blue aussi que j'aimerais bien prendre. Oui, tout à fait. Eden Et Blue? après, je vois celle de Marie-Rose Meudran, où là, en fait, c'est les dates de naissance. Ce n'est pas dit qu'elle nous en écoute encore. Mais si Marie-Rose, est là, elle avait une question sur pourquoi j'ai une grande mésentente avec mon conjoint. Mais Ok. là, il y a déjà les dates de naissance qui peuvent répondre et je peux expliquer le pourquoi et comment. Donc, si elle Okay. m'entend Est-ce et que qu'elle tu veux connaît. d'abord prendre Marie-Rose et après Eden? Non, on va prendre d'abord Eden Ok. Blue. Mais si entre-temps Marie-Rose peut mettre sa date de naissance à elle et son mari, je pourrais expliquer deux, trois trucs sur les dates de naissance et leur relation. Ok. Alors Eden qui dit je reposte. Rebonsoir. Coucou Eden. Ai-je quelque chose à régler, karma ou autre, pour récupérer une santé parfaite, s'il vous plaît? Merci Marie-France. Alors, qu'est-ce qui vient là? C'est pas tant une question de karma, de fardeau à porter, c'est plus une question de ce que tu as vécu, de ce que tu vis et comment tu le transposes dans le mental. Du coup, ton corps te le fait savoir. Et donc, tout comme tout à l'heure, j'ai parlé du livre de Jacques Martel qui explique, voilà, aller chercher, tiens, j'ai tel bobo ou telle maladie, et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se joue derrière? Mais je pense que tu connais ce livre, donc tu as probablement déjà été voir les réponses. Mais c'est pas tant du karma ou des vies antérieures ou quoi que ce soit de ce genre. C'est beaucoup plus
toi, Eden Blue, en tant qu'humaine dans cette vie-ci, de qui tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu as été, de ce que tu as pensé, de voilà, tout ce qui a fait qui tu es toi et comment tu le gères. Est-ce que tu es en cohérence? Tout à l'heure, je parlais à un moment donné de cohérence avec soi et d'être cohérente entre ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais. Et s'il n'y a pas cette cohérence-là, fatalement, ça va bugger à un moment donné dans le corps. Donc là, ça peut être intéressant d'aller voir, OK, ce que tu ressens en toi, est-ce que tu fais ce que tu dis? Et est-ce que tu dis ce que tu fais? Est-ce que tes pensées sont en adéquation également avec ce que tu fais et avec ce que tu dis? Tu vois, c'est ce fameux, on parle souvent de l'alignement corps âme esprit. C'est voilà, c'est je pense, je fais, je suis, et qu'est-ce que je fais de tout ça? Tu vois, comme j'ai l'image d'une pâte à modeler. Selon la pâte à modeler que tu as, on te dit de faire un bonhomme. Mais tu crées le bonhomme que tu veux. Cette image-là, elle m'est donnée pour te dire, mais cette maladie, en pensant que c'est ton karma, c'est à nouveau remettre ta responsabilité sur quelque chose d'autre. Ah ben c'était moi d'une vie antérieure. Ou oh, c'est du karma de je ne sais pas d'où, de je ne sais pas qui. Non, c'est toi dans cette vie-ci avec tout ce que tu es, qui tu es, de comment tu vibres, comment tu fais, comment tu penses, comment tu dis, comment tu parles, comment tu agis et qui tu es. C'est tout ça qui est regroupé dans le qui tu es. Et si ton corps a autant de choses à te dire ou pendant si longtemps, au travers de la maladie, ben c'est qu'il y a encore des choses à comprendre. Fatalement, parce que sinon ce serait résolu. Point de vue de la maladie, je veux dire. Hein. La maladie serait partie ou les petits bobos à gauche à droite seraient déjà partis. Donc, maintenant, ce n'est pas toujours facile parce qu'on a tellement facile à s'aveugler ou à croire qu'on a vu quelque chose, aller faire une introspection, aller se regarder en soi et à se dire « Ah ben oui, j'ai capté, ah oui, j'ai compris. » Et en fait, non. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit avec notre mental. Si on doit s'auto-analyser avec notre mental, nos pensées, nos valeurs, notre ego, enfin, et notre mental, bah, enfin, fatalement, c'est biaisé dès le départ, en fait. Faudrait vraiment, idéalement, ce serait génial de pouvoir sortir de soi, de ce corps-là, et de nous regarder en face comme si on était un étranger, comme si on était quelqu'un d'autre. Et de dire, mais attends, tu te comportes comme ça, mais tu dis ça, mais tu fais autrement. Et puis, tu penses comme ça, mais en fait, ça ne se voit pas du tout dans tes actions ou dans tes mots. Et de pouvoir aller, oui, j'allais dire se juger, se critiquer, oui, parce que c'est ça, c'est l'introspection, c'est faire le bilan de soi-même, mais de manière la plus honnête possible. Ce qui est compliqué, puisque fatalement, quand on va s'analyser soi-même, évidemment qu'on est subjectif. On s'analyse, nous, avec notre mental et nos pensées. Donc, oui, c'est plus compliqué. Mais donc, non. Et alors, pour récupérer une santé parfaite, récupérer, ça a la notion du passé. C'est-à-dire qu'avant, j'avais la santé parfaite. Maintenant, je ne l'ai plus et je veux la récupérer. Là aussi, c'est biaiser la manière de penser. Pourquoi chercher à récupérer une santé parfaite qu'on avait avant plutôt que de se poser la question « je vais guérir de ma santé actuelle et je vais chercher la santé parfaite pour moi maintenant, pas récupérer celle d'avant. » Parce que sinon quoi, récupérer celle d'avant, celle avant où le corps te parlait pour te dire quelque chose que tu n'avais pas encore compris. Et enfin, tu vois, pour revenir au départ du cercle, c'est pas utile dans ce sens-là. Donc, de plutôt, oui, retrouver la santé parfaite maintenant. Oui, cohérence, vous avez raison, non, pas de karma. Oui, voilà, oui. Qu'ai-je à comprendre dans ce cas? Ben déjà, ça dépend de la maladie en elle-même. Et donc, d'aller voir, que ce soit Lise Bourbeau, Jacques Martel ou d'autres livres, qu'est-ce que cette maladie vous dit? Moi, je ne connais pas du tout le livre par cœur, donc voilà. Mais d'aller voir, puisque chaque partie du corps correspond à quelque chose, et de se renseigner déjà par rapport à ça. Et puis d'aller se regarder vraiment honnêtement, quitte à demander l'avis de quelqu'un qui nous connaît très très bien. C'est pas facile d'utiliser les bons mots. Ah bah oui, à qui le dites-vous? Bah oui. Ouais, ouais. Mais donc voilà, ça fait appel à ça. Ok. Bon. Alors j'avais trouvé Rose et j'ai reperdu Rose.
Marie-Rose, c'est en fait. Mais il faut voir, donc c'était pourquoi j'ai une grande mésentente avec mon conjoint. Oui. Les dates auraient déjà pu donner pas mal d'infos. Mais elle n'en a pas, elle a pas. Mais il n'y en a pas, oui. Parce que ça, c'est vraiment bluffant dans les lectures d'âme quand je vois les dates de naissance, surtout en duo, que ce soit amoureux ou amical ou professionnel, peu importe. On regarde les deux dates de naissance, on voit le résultat, entre guillemets, que ça donne. Et ça met vraiment en avant là où ça peut coincer. Alors, Maintenant, il faut être deux hein, pour faire une mésentente. Toute la responsabilité n'est pas toujours sur les épaules d'une personne. Hein. ah, ben de toute façon, quand on a un problème, un conflit, on est deux. Hein. Même si notre part de responsabilité est infime, elle est quand même là. Alors, j'adore la façon dont Christelle dit les choses. Ah ben c'est bien, merci, c'est gentil. C'est Cyril. Donc je peux continuer à être cash en fait, comme je le ressens. C'est Ah, bien. je pense que tu le sauras jamais autant que moi. Ok. Non, 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 ça c'est clair. Non, mais on vient de loin, hein, Aline. Moi, je viens vraiment du non, non, tout doux, tout doux, machin. Donc, à mon rythme. Elle arrondit les ronds. Elle essaye d'arrondir les ronds. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors moi, j'en ai rien à faire. J'arrondis tout Avec ton jusque-là, doucement. Non, non, je viens de loin, donc petit à petit. C'est bien déjà, je trouve que tu es vachement plus cash. Alors, moment d'un mois, d'un point de vue global, est-ce que les vertiges sont un signe de quelque chose en ce moment? Car plusieurs personnes en même temps autour de moi sont incommodées. C'est un ras-le-bol. Alors, ouais, alors aussi pour. C'est aussi la fréquence qui change. Ça me l'a fait, moi, plusieurs fois, à plusieurs moments. Ça fait 12 ans que je suis dans l'énergétique. Et ça me l'a fait surtout au début, à plusieurs moments différents. C'est aussi un changement de fréquence. Quand ça change de fréquence, on est soit très fatigué, ou soit on a des vertiges. Ou par exemple, quand je fais des incorporations de guides, après, j'ai le corps comme si on m'avait passé à tabac, mais réellement passé à tabac. C'est-à-dire que c'est. Je suis une plaie sur pattes, en fait, tellement que la fréquence est tellement haute que le corps humain, lui, ne supporte pas cette fréquence, en fait. Il est beaucoup trop bas pour la fréquence. Et souvent, on se fatigue très, très vite. On est épuisé après. Eh bien, les changements de fréquence peuvent amener des vertiges et des gros coups de fatigue. En fonction de qui on est, on va le vivre autrement, en fait. Oui, ou un besoin de se poser aussi, parce qu'en général, quand tu as un vertige ou si tu as la tête qui tourne, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois. Tu te poses. Ouais, mais bon, là c'est un peu général et là où je la rejoins, c'est comme on en a aussi parlé et moi j'en ai eu. Donc, du coup, je comprends ce que tu veux dire et je pense qu'il y a un changement de fréquence en fait. Oui, et puis de plus en plus, hein, où l'univers et la vie, je pense qu'elle est vraiment là pour nous dire, bon, l'action, les gars, ça va changer, il faut s'y préparer, il faut y aller maintenant. C'est bien beau de. On a parlé, on a étudié, on a fait plein de choses et maintenant, il faut aller de l'avant, quoi. C'est ça, exactement. Alors, Lynn, alors tu me dis, c'est toi qui dis stop, hein, ma chérie, je te rappelle. Moi, je ne suis Mais que. tu sais que quand moi je canalise, en fait, plus moi ça me recharge l'énergie, donc je ne me sens pas fatiguée. Donc, mais à un moment donné, il va falloir arrêter, oui. C'est-à-dire que moi, par contre, je queen. Tu vois, là, ça y est, là, je commence à queener, en fait. Ben écoute, on en prend encore une ou deux. Là, Lynn Mamoun, c'est pas vraiment une question. C'est pas vraiment une question, en fait. Elle dit, je te la mets. Bonsoir, nous allons bientôt déménager car cela fait un an que nous cherchons à quitter notre maison pour une autre dans un environnement plus calme, mais soit maison en mauvais état, soit terrain trop cher. En gros, Ils n'ont pas trouvé encore. ça serait quoi? C'est quoi ça? Son avatar, c'est Barbie. C'est quoi? J'ai l'impression que c'est Barbie, tu sais, mais Barbie en bleu et en. Ah. Ouais, c'est-à-dire que je pense qu'elle demande si elle va trouver une maison, quoi. Tu peux relaisser
la question pour voir s'il y a quelque chose qui vient. Je suis plus en. Ça a bugué de ton côté ou. Alors, Je... ça... Ton image a bugué. Ouais. Ok, voilà, je te vois. C'est bon. Et tu m'as parlé? Je te demandais si tu voulais bien laisser la question parce que ça m'aide à être en contact avec l'énergie de la personne qui a posé la question. Pour voir s'il y avait quelque chose qui venait, je n'avais encore rien jusqu'à présent. Oui, merci. Lynn. Ouais, moi j'ai plus un truc de c'est pas le moment. Si tu veux vraiment trouver la maison de tes rêves, prends ton temps, surtout prends ton temps. Et si elles sont en mauvais état ou terrain trop cher ou qu'il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que ça ne va pas, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a vraiment une raison. Et tu vois, j'ai l'image en fait. Alors c'est très mignon. C'est super mignon. J'ai l'image du géant vert. Tu vois les maïs? Le géant vert qui vient près d'un petit humain et qui le pousse petit à petit, tu vois. Mais lui, il connaît sa force et sa. Géantitude, c'est un mot qui n'existe pas, mais on s'en fout, on se comprend, et qui veut l'aider à avancer, mais qui sait qu'il doit aller doucement parce qu'il est trop fort par rapport à l'humain. Et donc cette image-là, moi je l'interprète en me disant, tu es aidé, tu es guidé, et il y a des choses qui se mettent en place, mais piano, piano, et dans l'énergie, c'est ce que je ressens aussi, c'est tu trouveras, mais si vraiment tu veux trouver le truc parfait pour toi, alors quand je dis parfait, c'est pas que la perfection soit tout nickel et tout, mais ce qui est parfait pour toi, nickel, laisse faire le temps et confiance dans l'univers, dans les guides, dans toi, voilà, en tout ce que tu veux, mais les choses se mettent en place, mais faut pas vouloir aller trop vite. Là, c'est le message pour toi, Lynn. Ok. Alors après, j'ai un petit coup de message pour espérer trouver l'amour bientôt. Est-ce qu'elle va trouver l'amour bientôt? Est-ce que tu C'est penses à ça. elle? Avec plein de cœur. Margot, un petit message. Margot, elle est jolie, Margot, en plus. Alors, ça me frustre parce que j'ai rien. Et en même temps, je sens l'énergie de Margot qui est très chouette. C'est très sain. Enfin, j'aime bien cette énergie-là, tu vois. Mais j'ai pas. Je vais voir s'il y a quelque chose qui vient après, mais. Voilà, ok. Le message, la réponse, c'est l'amour ne se trouve pas, il se vit. Donc, est-ce que je peux avoir plus d'infos? L'amour ne se trouve pas, mais il se vit. Mais ils sont sympas les guides, mais Ben oui, c'est ça. c'est parce qu'elle attend Margot, quoi. Exactement, c'est ce que je me dis aussi. Donc, s'il vous plaît, un petit peu plus. Écoute, je n'ai rien, Margot. Je suis vraiment désolée. Aline, si tu as quelque chose, ce serait top, Alors, mais je n'ai rien. ce serait plus au niveau de. C'est marrant, c'est comme si elle avait du tempérament, elle avait du caractère, mais elle allait vers des hommes, des hommes ou femmes, en tout cas des âmes, qui la. Qui ne la correspondent pas. Comme si, ouais, il l'abîmait à chaque fois, tu vois, il la cabossait, enfin, ça se passait très difficilement, et elle sort jamais indemne de tout ça, on te demande de. C'est comme si on te demandait de revoir tes critères. Et tu es toujours attiré par le même genre de personnes qui viennent te cabosser, Margot. Donc, qui viennent. C'est comme si toi-même, tu allais chercher quelque chose chez ces personnes-là pour grandir. Fais un feedback de tes ex et essaye de trouver le point commun. Parce que tu vas trouver. C'est pas eux le problème. Ils sont parfaits comme ils sont, en fait. Alors, attention, quand je dis ça. Ce sont des figurants négatifs dans ta vie qui te montrent que tu as un fucking problème. Et du coup, on te demande vraiment de trouver le point commun, même infime, entre chaque personne, afin de toi-même mettre le doigt sur ta problématique amoureuse. J'ai ça, moi, en fait.
Et tu vas enfin, quand tu vas trouver ta part de responsabilité dans ces échecs, c'est ce qu'on te demande en fait, tu vas enfin arrêter de répéter les schémas et pouvoir te projeter avec quelqu'un qui te correspond beaucoup mieux. Il y a vraiment un truc à... Il y a vraiment un point commun. Il y a quelque chose avec tes ex. Je ne sais pas quoi. Hein, c'est assez confus. Je suis trop timide. C'est difficile de trouver l'amour. Ouais. Non, Margot, c'est même pas ça. Je veux dire, avec déjà la photo que je vois là, le physique que tu as, ce n'est pas une question de timidité. C'est qu'il y a quelque chose chez toi qui est au-delà de la timidité, il y a aussi une espèce de peur derrière qui se joue. Alors, timide, tu l'es, hein, c'est sûr. Mais généralement, tu sais, les filles, elles n'ont pas besoin beaucoup de bouger. Voilà. Moi, je n'ai jamais fait le premier pas. Jamais, jamais. Donc, du coup, c'est qu'est-ce que tu... De quoi tu as peur réellement ? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui. Ah bah oui, totalement. Trouve, et avec les autres, le point commun. Pourquoi tu vas dans des situations qui ne te correspondent pas, vers des personnes qui ne te correspondent pas? Il y a un point commun, il y a un feedback. Il faut que tu trouves le truc et ça va te permettre de trouver ta distorsion à toi, en fait, intérieure, et te dire, ok, je fonctionne comme ça et je vais vers des hommes... qui ont tel ou tel, ils seront tous différents, mais il va y avoir quelque chose de commun et tu vas te dire, ok, je vais vers des hommes qui ne me correspondent pas parce que je dois comprendre quelque chose. À mon ex, je l'aime toujours. Eh ouais, toi, tu fais comme avant, tu es encore sur la porte du, accroché à la porte du passé et tu vas aller vers le futur, mais tu ne vas pas lâcher ton passé. Oui, et puis en plus, si tu t'accroches à un homme qui n'est déjà pas libre, tu sais que tu vas au-devant de complications et que voilà, ça peut être intéressant d'aller chercher pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue en toi? Ou qu'est-ce qu'il y a eu dans les croyances? Ou dans, enfin, voilà. Pourquoi tu vas chercher un homme qui n'est pas libre? Ça peut être d'auto-sabotage, hein, de faire ça. Ouais, c'est une forme d'auto-sabotage. Et puis, tu vois, le truc, c'est que... elle pose une question alors qu'elle a la réponse, quoi. Oui, c'est ça, oui. J'adore les Québécois, c'est la façon qu'ils ont de parler, ça me fait trop kiffer, même d'écrire en fait. C'est ouf, c'est José du Québec. Est-ce que je vais avoir du succès dans ma nouvelle carrière? Ouais, le coup de foudre, ouais, mais regarde la gueule du coup de foudre maintenant. Il te reste que la foudre. Hein. Oui, c'est ça. Mmh. Ouais. Ouais. Alors, Laurent, soit je ne vais pas faire les défunts. En fait, j'ai récemment changé la manière de faire par rapport aux défunts. Maintenant, j'ai mis un protocole en place d'ouverture et de fermeture de canal spécifique aux défunts. Je n'ai pas ouvert le canal défunt ce soir. Parce qu'en fait, ça m'a vraiment plombée pendant des mois. J'ai vraiment eu le corps qui m'a lâchée. Plus je faisais, parce que je fais des petites conférences en Belgique et des contacts spéciaux défunts en présentiel. Et vraiment, ça m'a plombée parce que je faisais pas de nettoyage, de protection, de machin. Voilà, je faisais ça comme ça. Et je me suis retrouvée bien, bien à plat. Et donc là, grâce à Christine d'ailleurs, Christine Perlot que vous verrez bientôt, qui m'a aidé justement à bien me nettoyer de tout ça et à mettre en place un protocole, ouverture de canal, fermeture de canal. Et j'ai pas ouvert de canal pour ce soir. Donc, les questions par rapport aux défunts, peut-être qu'on pourra organiser une autre émission pour ça, mais pas ce soir. De toute façon, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission, là, quand même. Voilà. Est-ce que tu en veux une dernière, là? Si tu en as une à laquelle je peux répondre, oui. Ben, bien, José. Oui. José du Québec. Qui dit, José du Québec. Ouais, est-ce que je vais avoir du succès dans ma nouvelle carrière? Alors attends, hop, je te mets l'autre. Ah non, pardon.
J'étudie en infographie. Oui, alors c'est marrant parce que moi, je voyais quelque chose d'artistique. Alors, du succès, oui, mais c'est très marrant parce que c'est comme si c'était encore mieux que ce que tu attends, mais pas de la façon dont tu l'attends, tu vois. J'ai vraiment cette énergie de le succès est assuré, mais ce sera absolument pas ce qu'elle pense que ça va être, que le succès a différentes variations et qu'il a différents supports. Il a différents, oui, tu vois, comme dans les médias ou quoi, ils fonctionnent pas tous de la même manière. Et le succès, alors c'est marrant parce que le succès, il est marqué sur ta route. Mais il est tellement pas dans ton schéma de croyance que tu pourrais même en arriver à te dire, oui, mais non, c'est pas un succès, ça. Parce que ta définition du succès, si tu vois quelque chose de grandiose, tu pourrais toi-même être déçu de ton propre objectif. Alors que le succès sera sur ta route. J'aime beaucoup votre accent. Ah oui, oui, bah là, l'accent belge, je ne peux pas y échapper. Hein. Oui, alors, je ne sais pas, ce n'est pas marqué en fait sur le script de l'émission. Mais, elle a écrit « J'aime beaucoup votre accent aussi ». Oui, parce qu'en fait, Christelle est belge et moi, je suis du sud de la France en fait. Donc du coup, ça fait deux accents bien sympas. Je fais attention à ne pas trop dire 70 ou 90 et je traduis en français 70 et 90, mais l'accent, il est là. Mais donc voilà, pour vous, José, c'est ça, c'est oui, le succès, il est là. Mais pas comme vous le pensez, pas de la manière dont vous avez défini ça. J'ai grandi avec une famille très superficielle et très jugée, c'était pénible. Oui, oui, donc il faut vous libérer en fait de ces croyances et de... Le succès attendu, c'est-à-dire qu'il y a des critères en disant « oui, mais quand on coche toutes ces cases-là, c'est qu'on a du succès. » Et là, les guides disent « non, 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 c'est pas ça le succès. » Donc, ça fait plus référence aux croyances, mais il y en aura. Et vous serez capable de le voir. C'est juste que ça va pas du tout arriver de la façon dont vous pensez, dans le cadre qui a été délimité par les croyances. Et il y a plus un appel à vous libérer aussi de ces schémas, mais même dans votre travail. C'est comme, moi, je ressens quelqu'un qui est très artistique, mais qui n'ose pas. Parce qu'on est tellement dans des boxes, dans des cases. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est à éviter, ça, on peut faire, ça, on peut pas. On a étudié de telle manière. Je veux juste vivre normalement. J'ai beaucoup de problèmes financiers à cause de la violence de mon enfance. Oui, mais je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Il y a l'enfance, la violence, vos expériences, tout ce que vous avez vécu d'un côté. Et là maintenant, il y a qui vous êtes vous maintenant et ce que vous allez faire de tout ça. Donc, moi, dans ce truc-là, c'est vraiment ces deux choses séparées. Alors, je comprends que pour vous, évidemment, vous puissiez dire non, c'est pas séparé parce que ce que j'ai vécu fait partie de qui je suis, de comment j'ai évolué, comment j'ai grandi, comment je me suis forgée, comment je me suis construite. OK. Sauf que là, énergétiquement parlant, non. Vous êtes tout à fait libre de dire « basta ». Ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, comment on m'a élevé, tout ça fait partie du passé. Et là, aujourd'hui, rien ne m'empêche de balayer tout ça et de faire comme je le ressens. De me dédouaner de ce qu'on m'a inculqué, de faire autrement et de faire comme je le ressens. Et c'est là où vous allez connaître votre succès. C'est en étant vous et en osant exprimer l'artistique et qui vous êtes dans votre travail. J'ai fait beaucoup de changements de pensée dans les dernières années. Ah oui, j'en doute pas, j'en doute pas. Mais continuez comme ça, vraiment, il y a une scission entre la Josée d'avant, c'est une chose. Basta, c'est fini, on est en 2023, c'est la Josée d'aujourd'hui qui compte. Pour pouvoir créer la Josée de demain. Donc, ressentez vraiment la liberté d'être qui vous êtes, comme vous avez envie d'être, comme vous le ressentez. Basta, et le succès sera là. Voilà, Lynn. Oh, mais c'est juste un cap. Moi, je vais bientôt sur mes 53, José. On s'y fait. Franchement, on s'y fait. Ça devient un peu compliqué à un moment donné, mais c'est une question de mental et de morale. C'est pas grave. Écoute, moi, je viens de fêter mes 52 ans et je suis grand-mère et tout va bien. Voilà. J'ai 15 ans dans ma tête. Hein. C'est ça. Donc, c'est pas l'âge que l'on a. Hein. C'est
C'est l'âge que l'on a dans nos artères et dans notre La mentalité, tête. Hein. la vision qu'on a, oui. Oh, c'est tout lent, Aline, c'est très Moi, quand bizarre. On me dit t'as 52 ans, ça me fait rien. Non, il y a ta vidéo qui déconne. À un moment donné, c'était très très lent, puis ça a été super rapide. Là, ça a l'air d'aller. C'est comme ça avec moi. Ou c'est très très lent, ou c'est très 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 rapide, mais il n'y a pas de juste milieu. Ah ben c'est très bien, parfait José, impeccable. Ah, moi non plus, ça ne me bouleverse pas du tout. Mes 52 ans, m'en fous. On n'a pas pu répondre à tout le monde, et puis il y avait des questions qui, malheureusement, nous n'avons pas pris parce qu'on ne fait pas de message de guide. Et surtout, il y avait des questions où vous nous donnez votre pouvoir. Il est temps d'arrêter de faire ça. Parce que si vous le faites avec nous, vous le faites avec tout le monde. Mmh. Et il est temps de reprendre ce pouvoir. Vraiment, les guides sont très... Moi, ça fait déjà... Oh, ça fait à peu près 2 ans que je parle de ça, très clairement. Où les guides me disent il est temps de rendre le pouvoir à tout le monde. Mmh. Et que chacune reprenne son pouvoir. Arrêtez de remettre à l'extérieur de vous vos propres décisions. Parce que du coup... ça vous met dans une position inconfortable, vous manquez de confiance en vous, vous n'osez jamais. Et c'est en osant tous les jours un petit peu qu'à un moment donné, vous récupérez votre plein potentiel. Et vous voulez tous avoir des capacités développées, mais en même temps, vous ne voulez pas prendre de responsabilité et assumer qui vous êtes dedans. C'est ça, c'est ça. Alors... on a plein de petits merci. On a Eden Blue qui nous dit merci. On a José qui nous dit merci. Atia qui nous dit merci. C'est joli, Atia. Frédéric. Il faut dire merci à Christelle parce que déjà, je suis ravie d'avoir refait l'émission avec elle. Ça faisait plus d'un an. Moi aussi, un an. Largement plus d'un an puisqu'on s'était dit il y a plus d'un an. On fait ci, on fait ça, on reprend contact, on se fait une émission. D'accord. Et puis, de fil en aiguille, j'ai bien vu que tu t'étais mis en pause. Moi, j'ai vécu mes propres trucs aussi. Et puis là, on s'est dit, on remet la patate toutes les deux. Ouais. Ouais. Moi aussi, je suis ravie d'avoir refait ma rentrée, en fait, avec toi et reprendre tout ça. C'est toujours très, très chouette comme émission. J'aime bien. Voilà, c'est léger, on rigole, je suis perchée, ouais. Tout va bien. Mais c'est ça qui fait le plaisir justement des émissions. Si c'était trop sérieux, trop cadré, ben, ce ne serait pas la même Christelle en face non plus. Hein. Et puis, tu sais, j'arrive de mon cours de yoga, c'est-à-dire que j'ai juste le temps de prendre une douche, de me coiffer, de me dire « Ok, comment je m'appelle ?» Je suis même pas redescendue de mon cours de yoga que je suis déjà à l'antenne en fait, tu vois. Donc ça, c'était assez drôle. Donc, ok, ben, en tout cas, merci à toutes et tous pour votre confiance. Pour votre fidélité pour certains, d'être toujours présent avec nous. Et ça, c'est génial. Merci pour vos petits mots que l'on reçoit dans nos boîtes mail, dans notre messenger, en disant merci pour telle émission, ça nous touche vraiment. Mm-hmm. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des j'aime, parce que en faisant ça, vous soutenez la chaîne et vous soutenez les intervenants qui sont avec nous. Et je vous dis au 14 septembre pour un nouveau concept, une émission atelier, où on sera 3 ou 4, on ne sait pas, on verra. Et on va chacune donner des trucs et astuces afin de vous aider au quotidien. Par exemple, comme la programmation d'un cristal pour la guérison. Et chacune d'entre nous apportera son petit truc. On fera ce genre d'émission à peu près tous les 2 mois. Et donc, je vous dis à très vite. Merci Christelle pour cette superbe émission. Merci pour ta générosité et toujours ta bonne humeur. Et moi, je vous dis au 14. Merci à tous. Bye-bye.